Bonsoir, bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue, bienvenue pour cette soirée, cette troisième soirée déjà du Festival en ligne du Jardin Forêt. On est un petit peu moins de 300 déjà, et puis il y a du monde qui est en train d'arriver. Il y a toute la team technique avec Mathieu, avec Kevin. Donc, merci à vous voilà, d'être là. Il y en a une partie d'entre vous qui a déjà passé un bon moment de journée. Je crois qu'il y a toute une équipe qui nous suit là depuis ce matin. On avait démarré la journée ce matin avec Perrine Hervé-Grillet à 10h30. Et puis, voilà, ça s'est pas mal enchaîné. Avant de passer la parole et de présenter notre invité et la conférence de ce soir, juste quelques petits mots. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver dans le festival, je suis Samuel Bonvoisin, agronome de formation, formateur, consultant en permaculture. Et puis voilà, j'ai rejoint l'équipe des Alvéoles il y a un peu plus de 2 ans. Notamment, je co-anime le campus des Alvéoles, qui est donc cette plateforme qu'on a créée à l'occasion, bah, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, du passage du Covid, comme petit partenaire de jeu. C'était voilà, au printemps de 2020. Voilà, et puis bah, nous voici ce soir pour le festival. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Zoom, en 2 mots, pour avoir vraiment une qualité ce soir d'écoute des propos de Marc-André, et puis d'une manière générale aussi pour économiser de la bande passante. C'est vraiment chouette si vous pouviez bien gérer de fermer vos caméras et vos micros. Voilà, sauf évidemment s'il y a un temps de questions et tout ça, vous pourrez les allumer ponctuellement. Mais du coup, voilà, c'est chouette si vous pouvez faire ça. Par ailleurs, il y a un outil qui est génial, qui est le chat. Donc, c'est une petite fonction qui s'appelle discuter dans Zoom. Il y a déjà plein de monde sur le chat là qui est en train de saluer, de s'envoyer des nouvelles. Voilà, donc c'est chouette. N'hésitez pas à utiliser ça. Il y a vraiment une belle dynamique depuis le début du festival dans le chat, avec plein d'informations, des liens, des ressources qui sont partagées. Donc, je crois que voilà, il faut vraiment pas se priver de profiter de ça. La troisième chose, c'est l'outil de réaction. Donc, vous pouvez réagir. Alors, il y a des petits émoticônes là, pouce en l'air, cœur, etc. Mais c'est surtout la fonction lever la main qui peut être utile. Voilà, on va voir comment ça va se passer ce soir avec toi, Marc-André. Mais peut-être. Alors, je ne sais pas si on peut se tutoyer déjà. Je pars avec un tu, mais peut-être que tu préfères le vouvoiement. Ok. Merci à toi. Voilà, si tu es ok, on prendra peut-être des questions orales en deuxième partie après ta conférence. Génial. Alors, il nous reste bah, à allumer ton micro si c'est ok pour toi dans C'est Zoom tout là. bon. Voilà, activer le son. Bon. Génial, on t'entend, c'est parfait. On est prêt pour démarrer. Écoute, déjà, j'avais envie de te remercier au nom de l'équipe des Alvéoles d'avoir accepté de participer à cette folle aventure, à rajouter à ton programme que j'imagine chargé encore 1h30, 2 heures de visioconférence ce soir. Et puis, tu nous as proposé une thématique, évidemment, qui est en plein cœur des sujets qu'on aborde pendant cette semaine avec le Jardin Forêt, puisqu'on est dans cette idée de la diversité, de la complexité, d'essayer de rassembler des êtres vivants, de sortir de la logique de séparer les choses, de faire des monocultures pour essayer de venir rassembler tout ce vivant dans des endroits qu'on appelle, alors les uns l'appellent jardin-forêt, d'autres forêt-jardin, forêt comestible, forêt nourricière, etc., peu importe le nom. Pour nous, ce qui est important, c'est un peu l'esprit, l'idée qu'il y a derrière. Voilà, je crois que tout le monde est arrivé, on est un petit peu moins de 300. Je te On propose commence à peut-être. 300, c'est ça? Voilà, c'est ça, on attend encore 4 personnes. Non, 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 non. Je crois que c'est simplement pour que voilà, tout le monde ait le temps de s'installer, d'arriver. Parfois avec Zoom, ça prend un petit peu de temps. Et puis voilà, peut-être simplement sur le déroulé, on va te laisser vraiment le temps de ta présentation. S'il y a des questions
Je vous propose plutôt de les exprimer dans le chat dans un premier temps. Et puis, voilà. Et puis après, dans un deuxième temps, si on a du temps un peu en rab, on prendra, et puis au moment où c'est juste pour toi, Marc-André, on prendra des questions et puis on essaiera de rendre ça aussi interactif autant que possible. À toi la parole. Ok, alors on peut commencer, on est à 300. C'est bon. Génial, parfait, pile. Ok, alors je vais prendre la main un petit peu donc sur l'écran. C'est bon, non, vous devez tous voir un écran gris. Samuel, c'est bon? Fait, ça fonctionne hyper bien. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quand je regarde la plante elle-même, tout ce que je peux voir de microbes et tout ce qu'ils font. Alors, la première histoire que je vais vous raconter, évidemment, c'est celle de l'association sur laquelle moi je travaille avec mes équipes de recherche, hein, celle du Muséum à Paris, et puis celle de l'université de Gdansk en Pologne, puis aussi quelques collègues de l'université de Kunming en Chine. C'est trois endroits où j'ai des équipes de recherche qui travaillent sur ce dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler de cette histoire-là avec des pins. Vous savez que les pins, ça pousse vite, c'est des arbres pionniers, c'est vraiment ce qui reconquiert en premier les friches quand on les laisse à l'abandon, en tout cas à l'abandon de l'agriculture. Et en fait, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud ou en Afrique, où vous voyez la zone de distribution des pins en vert, il n'y avait pas de pins, ben ils ont tout de suite voulu en planter parce que ça pousse vite, ça pousse n'importe où, puis ça fait un beau bois avec une fibre pleine de résine pour refaire les bateaux qui avaient souffert, la traversée vraiment souffert. Et le problème, c'est que ces pins, eh ben, ils ne poussaient pas. Même ils mouraient souvent après avoir germé et avoir formé quelques aiguilles vertes. Alors, ils ne sont pas démontés, hein, ils ont amené tout simplement des pins enracinés depuis l'Europe et là, ça a marché. Là, ça a commencé à pousser. C'est-à-dire que les pins, en fait, avaient besoin de quelque chose qui était dans le sol. À l'époque, ils n'ont pas vraiment suivi le problème, mais l'histoire, c'est qu'il y a des champignons dans le sol dont la présence est vitale aux pins. D'ailleurs, on les voit très bien, là, ces champignons. On voit très bien que localement, ils s'associent en pelote blanche aux champignons du sol. C'est en fait ce qu'on appelle une ectomycorhize. C'est-à-dire que ecto, dessus, sur la racine, il y a myco du champignon. Et donc, ce n'est pas seulement une racine, rhize. C'est une association entre un champignon du sol qui fait son mycélium, ses filaments par ailleurs, et la racine des pins. Et ça, c'est vital pour les pins. On peut trouver facilement en forêt, hein, sur les arbres forestiers des régions tempérées, ces associations où le champignon est présent par des filaments, il colore la racine, il provoque aussi, regardez à droite, des hyper-ramifications de la racine, ce qui fait que même quand il n'est pas très visible, ben, on voit très bien ses racines déformées. Ça, c'est des associations qui sont vitales pour les arbres de nos régions. Si on regarde ce que ça donne en coupe longitudinale, on voit très bien qu'il y a en fait un manchon de champignons autour de la racine. C'est les tout petits trucs qu'on voit là, c'est les filaments de champignons qui font une chaussette qui pénètre légèrement entre les cellules les plus externes. Et ça, c'est la coupe de cette association qu'on appelle une ectomycorhize et qui est vitale aux arbres de nos régions tempérées. Les champignons qui font ça, c'est ceux qu'on trouve sous les arbres, c'est les amanites, les bolets, les girolles, et même d'ailleurs les truffes que l'on trouve sous des arbres. Parce que pour ces champignons-là aussi, l'association est nécessaire. Elle est nécessaire parce que la plante donne des sucres et des vitamines aux champignons, tandis que celui-ci, en revanche, explore le sol et collecte à la fois pour lui et puis pour l'arbre de l'eau et des sels minéraux. Ce que je viens de vous décrire, c'est une association entre des champignons qu'on voit à l'œil nu et des plantes qui sont, bon, ben, surtout des plantes ligneuses des régions tempérées. De nos régions. Et justement, ces champignons n'étaient pas là dans les régions tropicales, et ça, c'était limitant pour la croissance des arbres en région tropicale. Mais ça fait 5% des espèces au niveau global, ce n'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est qu'il y a un autre type de mycorhize, plus interne, ce qu'on appelle les endomycorhizes, qui intéresse 80% des plantes sous toutes les latitudes, les plantes herbacées chez nous, les plantes herbacées et les arbres dans les régions tropicales. Alors, dans ces cas-là, l'association est quand même vachement moins visible. Si je prends le maïs, qui est à la fois pas un arbre, donc une plante herbacée et une plante d'origine tropicale, et que je regarde attentivement les racines, car eh ben, je m'aperçois que ce n'est pas des racines en fait. L'idée, c'est que quand vous montez au microscope ce qui paraît être une racine saine, eh bien, vous avez des filaments de champignons que vous pouvez voir ici sur cette image parce qu'ils ont été colorés. Ici, le champignon rentre dans la racine, il fait une association plus
plus intime, plus interne. C'est pour ça qu'on parle d'endomycorhize. Dans l'endomycorhize, le champignon patrouille à l'intérieur de la racine entre les grandes cellules racinaires, qui sont ici représentées par des rectangles, hein, et il rentre dans certaines de ces cellules en se ramifiant, les filaments se ramifiant dans une structure qu'on appelle un arbuscule, et qui ne tue pas la cellule, qui va être l'organe, ou plus exactement la partie par laquelle vont se faire les échanges. Le champignon, lui, fait aussi des gros renflements qu'on appelle des vésicules, où il stocke ses réserves de matière grasse. Alors, le champignon en question, il est bien sûr présent dans la racine, à l'intérieur, même si ce n'est pas visible de l'extérieur, mais il sort également dans le sol. Et là, il taille sa route tout droit, il sort pour aller explorer le sol. Et d'ailleurs, il fait aussi des renflements, vous voyez, à l'extérieur, dans le sol. Ces renflements-là, c'est des spores. Ce qui fait que ces champignons-là, on ne les voit jamais parce que si vous voyez les champignons des ectomycorhizes, c'est qu'en fait, ce que vous voyez, c'est la partie reproductrice, un espèce d'organe charnu où sont fabriqués les spores qui vont être dispersés par le vent. Eh bien, les champignons qui font les endomycorhizes, vous ne les connaissez pas parce qu'ils font des spores dans le sol. Là, j'en ai quelques-unes tamisées. Alors, quand on tamise un sol entre 0,1 et 0,5 mm, on trouve plein de ces très grosses spores. Là, il y a clairement des espèces différentes, hein, on le devine à la couleur, des très grosses spores qui sont la forme de dispersion de ces champignons. Dans l'image suivante, vous avez des pots où on a fait pousser pendant 3 mois de l'oignon. À gauche, les 4 pots de gauche, alors j'espère qu'ils sont à gauche pour vous, parce que des fois, il y a des problèmes de transmission, ça pousse mal. C'est un sol stérilisé, où on pourrait naïvement penser avoir tué tous les pathogènes. Alors oui, on a tué les pathogènes, hein, indubitablement, mais on a aussi tué les spores et les filaments des champignons qui font des endomycorhizes. À droite, en revanche, dans le même sol stérilisé, on a rajouté les spores que je vous ai montrés précédemment. On a réinoculé par des champignons mycorhiziens. Et là, bah, ça pousse normalement. Vous voyez que c'est vraiment un service que nous rend la nature partout et qui marche bien parce que, pour le coup, il y a toujours ces champignons. Donc normalement, les plantes poussent bien, mais elles en ont besoin. Elles en ont besoin parce que ce soit une ectomycorhize ou une endomycorhize, c'est une association étroite où les partenaires vivent ensemble et à bénéfice réciproque. C'est une symbiose, tout simplement, où la plante nourrit le champignon en sucre et en vitamines, tandis que le champignon va faire les courses dans le sol. Et une fois de plus, le type d'association le plus répandu, bah, c'est quand le champignon n'est pas trop visible sur la racine. J'ai commencé par un cas un peu plus anecdotique, mais qui est quand même important en forêt chez nous, parce que là, on voit bien le champignon autour de la racine. La plupart du temps, on ne voit pas le champignon. Alors, si 80% des plantes terrestres forment des endomycorhizes, ce n'est pas vraiment un hasard. Ça remonte très loin en arrière. On va remonter il y a 400 millions d'années et regarder cette roche qui vient de Rigny en Écosse où, suite à des précipitations de sels minéraux dans des eaux qui étaient très salées, très riches en sels minéraux, une roche s'est formée très rapidement en pétrifiant, vous les voyez très bien, des morceaux de végétaux de cette époque-là. On voit très bien d'ailleurs, enfin j'espère que vous voyez bien l'écran, au centre, hein, une zone noire où il y a les vaisseaux conducteurs, qui conduisent la sève, et puis une assise tout autour hein, des cellules, une assise protectrice. Alors, quand on zoome au microscope, on va le faire tout de suite, on va voir plus le détail de ces structures, mais laissez-moi vous montrer comment on reconstitue ces plantes. Elles étaient vertes, mais elles n'avaient pas de feuilles. La feuille n'avait pas été inventée encore. Elles formaient, au bout de leur ramification, des tas de spores, un peu comme les fougères, qui leur permettaient de se reproduire et de se disperser. Mais le plus étonnant, c'est que les tiges, qui sont parfois prostrées, ne portent aucune racine. D'un côté, c'est un peu étonnant, parce qu'il faut aller chercher de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Mais d'un autre côté, si vous y pensez, ce n'est pas tellement étonnant, parce que ces plantes-là descendent d'algues, d'accord ? Elles descendent parce que, ben, on n'est pas très loin de l'origine des plantes terrestres, et donc elles proviennent d'un ancêtre qui était une algue. Et pour le coup, les algues, elles n'ont pas de racines. Donc, ce n'est pas complètement étonnant, hein, vu les ancêtres très récents hein, de cette plante. Alors maintenant, regardons au microscope une petite lame de roche qui a été travaillée donc, avec des ponceuses et qui permet de regarder au microscope la structure des coupes de tiges que je vous montrais tout à l'heure.
de tige ou de rhizome rampant. Et là, on voit très bien qu'il y a partout, outre la zone conductrice au centre et puis une assise protectrice autour de la tige, on voit très bien une zone noire. Et quand on zoome sur cette zone noire, on voit qu'il y a des arbuscules, qu'il y a des filaments et des vésicules. En fait, on voit que déjà à l'époque, il y avait ces champignons qui forment les endomycorhizes actuelles. Alors, ce n'était pas dans les racines, parce qu'il n'y avait pas de racines, c'était dans des tiges rampantes. Mais déjà, c'était les champignons qui nourrissaient les plantes. Et ces champignons qui forment aujourd'hui les endomycorhizes, eh ben, je vais vous dire, c'est tout simplement eux qui ont permis aux plantes de sortir, aux algues, pardon, de sortir des eaux et qui ont assuré tout seul au départ l'exploitation du sol. Et on sait aujourd'hui que les racines sont apparues avant tout comme des façons d'héberger plus de champignons, comme des quais de déchargement pour les champignons. Et c'est que secondairement que chez 10% des plantes, elles sont devenues l'organe d'une nutrition autonome. Ça, c'est secondaire et ce n'est pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de plantes sans champignons. C'est des espèces de champignons qui forment cet organe mixte qu'on appelle la mycorhize et qui est présente une fois de plus chez 9 dixièmes des plantes. Voilà. Alors, ça marche tout le temps parce que ces champignons sont en général dans le sol de la région où vit la plante, mais ça n'empêche, il faut des champignons pour nourrir les plantes. Alors, il faut bien réaliser que les plantes, elles ont un autre problème, outre le fait de se nourrir, eh bien, il faut qu'elles se défendent contre les pathogènes. Et en fait, ça aussi, quand on voit une plante, on ne le réalise pas, c'est quelque chose qu'elles doivent aux champignons qui font des mycorhizes. Alors, déjà, parce que quand on fait une mycorhize, n'est-ce pas, on a, dans certains cas, notamment l'ectomycorhize, une protection physique, quoi. On a un emballage de champignons qui fait écran. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Dans cette protection, il y a aussi d'autres effets. Et je vous propose qu'on découvre ensemble ces effets en regardant une expérience réalisée sur du tabac. Alors, le tabac, c'est une plante qui forme des endomycorhizes. Et on va élever dans un sol assez riche que tout le monde mange bien, on va élever des tabacs sans mycorhize, donc en sol stérilisé, et à droite, on va les élever avec, dans ce même sol, l'ajout d'un champignon qui fait des endomycorhizes, le Glomus margarita. Bien. Et on va, à un moment, mettre sur les feuilles, déposer un agent pathogène, le Botrytis cinerea, l'agent de la pourriture grise, qu'on dépose en deux points. D'ailleurs, vous voyez très bien les points sur cette feuille verte qui est à droite, là. Puis, on va compter les dégâts, on va regarder la surface de feuille qui est attaquée. Vous voyez qu'à gauche, on a une grande surface de feuille. À droite, on a juste de petites lésions. Ben, vous voyez que, en fait, les plants mycorhizés, les tabacs qui ont des mycorhizes sur leurs racines, et bien que le champignon ne remonte pas dans les feuilles, hein, eh bien, il y a moins de dégâts. Quand on regarde l'expression des molécules de défense, alors on s'aperçoit que ces molécules de défense, 12 heures après l'infection, elles ne sont pratiquement pas exprimées. Hein. Donc, c'est des molécules qui vont apparaître en réaction à l'infection. Eh bien, 24 et 72 heures après, elles sont produites beaucoup plus fortement par les plants mycorhizés, par les tabacs qui ont des mycorhizes, que en bleu par les tabacs qui n'ont pas de mycorhizes. Ce que je viens de vous dire, en fait, c'est que le système immunitaire est boosté après que la plante ait rencontré ses champignons. Et donc, bien sûr, des fois, ils font écran directement, j'allais dire, de leur corps. Mais la plupart du temps, ils font surtout de la protection par le biais d'une amélioration de l'immunité. Et donc, une partie de la santé de la plante face aux maladies du sol en particulier, mais aussi en l'air, elle est due à la présence de ces champignons. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il protège aussi contre tout un tas de toxines du sol, et en particulier contre le calcaire. Bon, vous savez que le calcaire, il y a des plantes qui ne le supportent pas, hein, il y a des plantes calcicoles, et puis il y a des plantes qui ne sont pas calcicoles. Voilà. Eh bien, on va élever une plante qui supporte bien le calcaire, normalement, l'eucalyptus, en lui faisant des mycorhizes ou pas. Alors, regardez bien ces images-là. On a la croissance sur 5 mois de petits plants d'eucalyptus. Les plants, ils sont soit ectomycorhizés, c'est les courbes avec des figures noires, avec des figurines noires, soit les plants ne sont pas mycorhizés. Bon, et puis après, on a mis du calcaire, c'est les carrés, ou pas de calcaire, c'est les ronds. Alors, regardons ce que ça donne. Quand les plants sont ectomycorhizés, c'est les deux courbes du haut, le fait que le sol soit non calcaire ou calcaire, ça ne fait pas grand-chose. Hein. On voit que le calcaire réduit un peu la croissance. Le calcium du calcaire est toxique pour les plantes. Mais
Ma foi, la toxicité n'est pas très prononcée. Bien. Maintenant, regardons les plants sur sol non calcaire ici. Si on retire les mycorhizes, c'est la troisième courbe, si on retire les mycorhizes, on s'aperçoit qu'ils poussent moitié moins sur sol non calcaire. Ben oui, ils sont moins bien nourris. Maintenant, reprenons le sol calcaire. C'est les figurés, les carrés noirs. Quand les plants sont ectomycorhizés, ils poussent assez bien. Quand ils sont non ectomycorhizés sur sol calcaire, eh ben, ils ne poussent pratiquement pas. La réduction de croissance, quand on retire les mycorhizes sur sol calcaire, est d'un facteur 10, alors qu'elle est seulement d'un facteur 2 sur un sol non calcaire. Bon, ce que ça veut dire, c'est que les champignons protègent la plante contre le calcium, et ça, ils le font de deux façons. D'abord, ils pompent activement le calcium hors de la racine, et deuxièmement, ils sécrètent une molécule, l'oxalate, qui précipite en petits cristaux, comme vous le voyez à l'écran, qui précipite en petits cristaux avec le calcium, en cristaux d'oxalate de calcium. Ces cristaux, vous les connaissez parce que c'est ceux qui donnent le côté un petit peu rugueux en bouche, granuleux, des arbouzes, si vous avez déjà goûté des arbouzes. Et là, le calcium, bah, comme il est piégé dans des petits cristaux, il ne peut plus circuler, il ne peut plus rentrer. Et voilà comment la plupart des plantes calcicoles, qui tolèrent le calcium, sont des plantes, bah, qui pour le coup sont des plantes calcicoles grâce à leurs champignons. On peut rajouter sur la description de la mycorhize, l'idée qu'il y a également une protection. Et d'ailleurs, elle est réciproque parce que vous avez vu tout à l'heure que le champignon, eh bien, il stocke ses réserves dans la racine. Quand il fait des vésicules pleines de gras, bah, il stocke ses réserves dans la racine. Donc les deux se protègent l'un l'autre. Et voilà. Alors, ça a l'air de bien marcher, mais en réalité, il faut se méfier. Parce qu'il est très facile d'abîmer ce couple. Et je vais maintenant vous montrer ce qui se passe quand on rajoute des engrais. Ici, on a cultivé un trèfle qui est mycorhizé sur un sol où on a ajouté zéro phosphate, ou un peu, ou beaucoup, ou très beaucoup. Et vous voyez que plus il y a de phosphate, moins le trèfle est mycorhizé. Et ça se comprend parfaitement. S'il trouve des ressources nutritives autour de la racine, il ne paye plus le champignon. Il travaille à l'économie. Donc, en réalité, vous avez un dispositif qui fait que s'il n'y a pas besoin du champignon, on ne nourrit pas le champignon. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas grave, puisqu'il y a du phosphate. Ouais, mais enfin, c'est plus compliqué. Bon. Déjà, regardons ce qui se passe d'un point de vue nutritif. La première chose, hein, c'est que quand on regarde ces courbes-là, on voit que plus on met de phosphate, plus ça grandit. En rouge, c'est la croissance du trèfle sur un sol où il n'y a pas de mycorhize. Bah, vous voyez que plus on met de phosphate, plus il grandit. Bon. En vert, c'est la croissance du trèfle. Là, on a fait la manip de mycorhization, là où on a regardé comment il était mycorhizé. C'est sur un sol où il fait des mycorhizes. Et on a dit en bleu, hein, la courbe bleue dit bien, plus il y a de phosphate, moins il fait de mycorhizes. Maintenant, si vous regardez les colonnes vertes, c'est la croissance de la plante quand il y a des mycorhizes, avec plus ou moins de phosphate, bah, plus on met de phosphate, plus ça grandit. Le diable, il se cache dans les détails. C'est-à-dire que, pour le coup, quand vous n'avez pas de phosphate et que vous rajoutez le champignon, regardez, la plante pousse 45% mieux. Quand vous avez beaucoup de phosphate et que vous rajoutez le champignon, ben, c'est un boulet. La plante pousse moins. En fait, aujourd'hui, le fait de rajouter des engrais minéraux en grande quantité, bien sûr, ça nourrit les plantes, mais ça fait que les champignons, ben, la plante n'interagit plus beaucoup avec, et qu'en plus, elle pousse moins bien que si elle n'avait pas de champignons. Et en plus, comme elle est moins mycorhizée, elle se défend moins contre les pathogènes. En tout cas, elle est moins défendue par le champignon. Et vous voyez que finalement, l'ajout d'engrais minéraux va appeler à un moment des gestes phytosanitaires et des insecticides ou des fongicides pour protéger une plante qui se protège moins bien. OK, alors, je vais arrêter le partage 2 secondes. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues dans la fenêtre de discussion ou si tout le monde est encore en train de dire bonjour à tout le monde. Alors, il y a pas mal de monde qui a effectivement qui a commencé à poser des questions. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer à y répondre. Il y a notamment Françoise qui parlait de ces herbes folles au jardin et elle demandait si ils étaient associés à des champignons et est-ce que ces champignons stimulaient les défenses de mes légumes? Alors, les chénopodiacées et les crucifères ne sont pas mycorhizés, les autres, oui. Ok. Donc, le chénopode, la bourse à Pasteur, non.
Mais dans un couvert mélangé, en général, il y a des micro-vies. Alors, le boeotrichia cinerea, c'est quand ça attaque les raisins. C'est pas bon pour les raisins, mais c'est bon pour le vin qu'on en fait. Donc, ça, c'est bien la pourriture noble, oui. Absolument. Mais en général, c'est un pathogène foliaire. Et là, ça se passe moins bien. C'est bon pour personne. Dites-vous hein, que les grains qui commencent à être atteints de botrytis, ça ne se passe pas très bien. Ils sont moins appétissants pour les animaux qui doivent les manger et disséminer les graines. Et puis, en plus, et surtout, y a les graines peuvent perdre du pouvoir germinatoire. Ok. Il y a une question de Julie à propos des kiwis calcicoles en sol argilo-calcaire. Oui. Alors, Julie, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Ces champignons ne sont pas très spécifiques. Ça ne veut pas dire que n'importe quel champignon convient à n'importe quelle plante, mais ça veut dire qu'il y a des très nombreux champignons dans le sol et vos kiwis vont trouver leurs champignons. Ils n'ont pas une espèce, ils sont associés à plusieurs dizaines d'espèces qui sélectionnent parmi les plusieurs centaines qu'il y a dans le sol. Pas d'inquiétude. Ce qu'il faut, par contre, c'est que le sol, bah, il y a un couvert végétal entre les kiwis, il ne faut pas travailler le sol pour ne pas détruire les filaments de champignons, et voilà. Super. Alors, effectivement, l'oxalate est toxique en grande quantité. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas manger les feuilles de rhubarbe. L'acide oxalique, on le retrouve dans les chénopodiacées comme l'oseille ou la rhubarbe. On vous dit qu'il ne faut pas manger les feuilles parce qu'elles sont toxiques. C'est parce qu'elles ont tout simplement plus d'acide oxalique. Et l'acide oxalique a une toxicité, c'est que comme il précipite avec le calcium, eh ben, il peut précipiter dans les reins et effectivement, ça donne les calculs rénaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger trop de rhubarbe. Donc, vous connaissez si, dans la physiologie humaine l'effet de l'oxalate. Effectivement, c'est de précipiter avec le calcium et ça le fait dans les reins quand on mange trop souvent de la rhubarbe ou de l'oseille. Bon, c'est rare, mais ça arrive, on dit pas plus d'une fois par semaine normalement. Ok. Mais alors là, c'est des cristaux d'oxalate dans le sol. Donc, et ensuite, quand vous mangez des arbouses, il y a des cristaux d'oxalate, mais ils sont déjà cristallisés. Donc, ils vont rester dans votre tube digestif. Cet oxalate-là ne pose pas trop de problèmes. Le problème, c'est que dans l'arbouse, il y a un peu d'oxalate libre. Et donc, rebelote l'arbouse une fois par semaine, pas plus. Mais ce n'est pas celui qui est déjà sous forme d'oxalate de calcium qui sera dangereux. Celui-là, pour le coup, il est immobilisé, tout comme les cristaux d'oxalate immobilisent le calcium autour de la racine. Ok. Du coup, il y a Arthur qui réagissait par rapport aux apports de phosphate et qui parlait de l'urine au jardin qui ne favorise pas les mycorhizes. Ouais, ça, Ben, tout dépend de la quantité. Tout dépend de la quantité. Un peu oui, trop non. Vous avez vu tout à l'heure hein, Le mon schéma. tableau, ça ne se renverse pas tout de suite. Ouais. Hein. Je vais repartager l'écran et puis on va sortir du sol là parce qu'on n'est pas venu pour parler que de mycorhize. Hein. Mais je vous remontre le diagramme. Vous voyez qu'il y a encore un effet améliorant avec un tout petit peu d'ajout à 0,2 millimoles par kilo. Hein. De Okay. phosphate. Ce serait intéressant d'avoir Bien. une transposition avec l'urine, sur la composition de l'urine pour savoir à partir de quelle quantité d'urine ça commence à être problématique. Mais ça va en plus dépendre du sol sur lequel on et de ce qu'il a hérité d'avant. Donc c'est une histoire compliquée. Mais n'hésitez pas à faire pipi au jardin, c'est quand même plus malin que de mettre ça dans la station d'épuration. Nos impôts servent à minimiser la pollution environnementale avant de les mettre dans le milieu. Super. Alors, on s'arrache du sol, on sort du sol, c'est bon. Et on va Parfait. dans les feuilles. Bien, vous savez, dans les feuilles, il y a aussi des champignons. Et il n'y a pas que des champignons, on va y revenir, mais il faut que vous compreniez que ici, ils sont dans ces coupes de feuilles où les tissus de la feuille sont en brun, ils sont en vert fluo. Bien, il y a des champignons qui rentrent dans les feuilles, voilà. Ils rentrent entre les cellules. Ça peut être des pathogènes, mais il y a aussi plein de champignons qui ne sont pas des pathogènes. Quand vous prenez une feuille de chez nous, vous avez une dizaine d'espèces de champignons dedans, même quand elle est saine, hein. Je parle de champignons qui, une fois de plus, sont pas des agents pathogènes. Dans les feuilles tropicales, vous arrivez jusqu'à une centaine d'espèces de champignons. Et comme ils sont dans la plante, on les appelle des endophytes. Il y a aussi plein de bactéries. Alors, les bactéries sont beaucoup plus petites hein, que les champignons. Elles sont 10 fois plus petites. Là, on les voit à peine. On compte qu'il y a 100 millions de bactéries par gramme de feuilles. C'est énorme. Mais je me suis amusé, pour que vous compreniez que ce n'est pas énorme, en fait. À essayer de vous représenter ce qu'est une feuille pour une bactérie, une feuille de peuplier pour une bactérie. Et pour faire ça, je vous propose d'être un instant la bactérie. Qu'est-ce que ce serait pour vous l'équivalent d'une feuille pour une bactérie? Eh bien, c'est ça. C'est tout Paris. Mais attention, c'est la surface de tout Paris, mais avec des immeubles de 1000 étages.
j'ai bien dit, des immeubles de 1000 étages. Donc c'est une espèce de pari d'un immeuble de 1000 étages pour une bactérie, la feuille de peuplier. C'est un pari avec des immeubles de 1000 étages pour vous. Donc il y a de la place pour mettre des microbes. Ce n'est pas si étonnant, ce chiffre. Et là, je parle de microbes de feuilles saines, c'est-à-dire de feuilles qui ne sont pas malades. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'un certain nombre de ces microbes-là, bactéries ou champignons, agissent sur la santé de la plante. Et ma première histoire va vous montrer qu'on est parfois naïf et on peut faire des bêtises si on n'imagine pas que la plante est colonisée. Je vous emmène en Amérique où, dans les années 40, 30-40, un grand programme d'amélioration des herbes, des graminées, est entamé pour donner un fourrage plus abondant et une herbe plus abondante au bétail. Et on sélectionne une souche de fétuque, Kentucky 31, qui est mise dans le commerce à partir de 1943. Regardez, à gauche, prairie normale, à droite, prairie de Kentucky 31. Bon, il n'y a pas photo, hein. À droite, il y a plus d'herbe, il y a plus à manger. Bon. Le problème, c'est qu'au bout de quelques temps, les animaux ne vont pas bien du tout. Ils perdent leurs sabots, ils perdent leur queue, ils ont une gangrène sèche des extrémités, le sang circule mal dans les extrémités du corps qui meurt et qui tombe. Ils passent leur temps dans la journée à baver, à chercher l'ombre ou à chercher l'eau. S'ils ont de l'eau, ils passent leur temps dans l'eau. Et ils mangent la nuit. Bon, ils ont des comportements, des atteintes neurologiques, des comportements étranges, et puis ils ne sont pas en forme. Outre cette gangrène sèche des extrémités et ces comportements bizarres, vous avez une réduction de croissance, une réduction des gestations avec 34% d'avortements en plus, des réductions de la lactation. C'est une vraie catastrophe qui représente un manque à gagner de l'ordre du milliard de dollars pour les États-Unis et un tiers de ça pour l'Australie qui a adopté ces semences à peu près en même temps. C'est une catastrophe. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe, bah, les gens reviennent là-dessus et ils découvrent un truc qui était passé complètement inaperçu. À gauche, vous avez une vue au microscope de la feuille où on a coloré de nouveau en bleu d'éventuels champignons. Et bah, les feuilles, qui sont tout à fait saines, sont bourrées de champignons. Et ces champignons, ils ne fabriquent jamais de spores. Vous savez, souvent les champignons pathogènes, ce que vous voyez sur la feuille, c'est que les champignons font des spores pour passer sur d'autres feuilles. Bah, là, ces champignons, ils sporulent jamais. Ils font jamais de spores. Et pourquoi ils font jamais de spores? Bah, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Comme ils poussent partout, ils colonisent les graines. Et leur façon de passer dans une autre plante, eh bah, c'est de passer dans les graines et dans la génération suivante. Et donc, du coup, ils ont besoin que la plante fasse beaucoup de graines. Et du coup, c'est très intéressant pour eux de la protéger. Ces champignons sont héritables. Et d'ailleurs, sans le vouloir, eh ben, les sélectionneurs ont sélectionné les plantes qui contenaient le champignon le plus toxique. Donc, les plantes, ben, elles n'étaient ni parasitées, ni mangées par des insectes, et donc, elles poussaient mieux. Oui, elles poussaient mieux, mais elles sont toxiques. Ces plantes sont bourrées d'alcaloïdes, dont certains sont proches du LSD, enfin, c'est le champignon hein, qui est bourré d'alcaloïdes. Donc, certains sont... ils sont bourrés de composés comme donc, des dérivés proches du LSD. Alors, ces dérivés-là, ils expliquent les comportements bizarres. Il y a des composés qui font des vasoconstrictions, de l'ergotamine, de la diergotine, qui sont des molécules d'ailleurs utilisées chez les allergiques pour réduire les phénomènes d'inflammation en fermant un peu les vaisseaux. Et c'est ces composés-là qui provoquent la gangrène sèche des extrémités parce que bah, le sang ne circule plus. Voilà. Et puis, dernière chose, il y a dedans des péramines. Ils sont des composés anti-insectes extrêmement efficaces. Et comme il y a le tout, il y a aussi de l'anti-vache. Et pour donner aux vaches, ben, ce n'est pas une bonne idée. C'était même une catastrophe. Et vous voyez là, vraiment, un champignon protecteur qui ne fait pas de la protection pour la beauté des choses. Il protège son gîte et son garde-manger. Toujours en Amérique, nous nous dirigeons maintenant vers Yellowstone et nous allons voir un autre effet protecteur, cette fois-ci contre la chaleur. Alors, vous êtes prêts? À Yellowstone, il y a, on le voit au fond d'ailleurs de l'image, souvent des fumerolles. Et il pousse là une petite graminée, le dicantélium, qui honnêtement pousse pas beaucoup, mais pousse dans des conditions atroces, puisque des fois, il se prend des bouffées de chaleur dans le sol, dans l'air, à pratiquement 50 degrés. Donc, ça chauffe un peu. Hein. Et ses feuilles sont bourrées de champignons. Il est en bas à droite, du genre Curularia. Alors, on peut toujours nettoyer la plante, hein, on la passe au fongicide, et on tue le champignon. Et alors là, on s'aperçoit que quand on fait pousser la plante à 40 degrés, ben, oh, elle pousse un petit peu moins sans champignons, mais enfin bon, elle pousse. Okay. Si maintenant on fait... Alors, donc c'est moins, c'est sans le curvularia, c'est plus, c'est avec le curvularia.
voyez que ça pousse. Si maintenant on fait ça à 45 degrés, on voit que quand il y a du curvularia, ça pousse encore. Quand il n'y a pas de curvularia, ça ne pousse plus. Alors, le fun de l'histoire, quand même, c'est vraiment désopilant, c'est que, en fait, le curvularia, au laboratoire, quand il pousse seul, eh ben, il ne pousse pas au-dessus de 35 degrés. Il meurt à 35 degrés. Et puis, quand ils sont ensemble, ils se protègent. On pense, en fait, qu'ils gèrent beaucoup mieux les radicaux libres qui sont liés aux dégâts faits par la chaleur et qui sont des suraccidents, qui vont vraiment abîmer plus encore que le coup de chaud. Et donc, à deux, ben, ils arrivent à vivre là où aucun des deux ne vivrait. C'est quand même extraordinaire. C'est de la protection contre la chaleur. Voilà, alors je saute ça. Et je passe maintenant à un dernier exemple qui vous montre à quel point ces symbioses sont importantes. C'est le cacaoyer. Alors, on sait que le cacaoyer, c'est une plante tropicale dont les feuilles contiennent une bonne centaine d'espèces de champignons. Mais figurez-vous qu'on a découvert la chose suivante. C'est que parmi ces champignons, il y a des colitotrichomes protecteurs, et ces colitotrichomes sont très importants pour la protection des feuilles. Or, comment ils colonisent la feuille ? Eh bien, ils sont présents dans les feuilles mortes. Ils avaient colonisé avant, ils font des spores, et c'est à partir des feuilles mortes qu'ils recolonisent les jeunes feuilles. Regardez. On a ici l'intensité des dégâts de cacaoyers qu'on a fait pousser sans champignons endophytes, notamment sans ce fameux colitotrichome. Bon, ben, il y a beaucoup de dégâts. Quand on les laisse pousser comme ils veulent, sans contrôler la présence d'endophytes, donc il y en a ou il n'y en a pas, mais qu'on retire la litière, ben, il y a encore beaucoup de dégâts. Et en fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ben, quand il n'y a pas de litière, du coup, dans les feuilles vivantes, il y a peu de colitotrichomes qui viennent, puisqu'ils viennent à partir de spores qui se sont formés dans la litière. Bon, ensuite, quand on les fait pousser ces cacaoyers sur de la litière mélangée ou de la litière de cacaoyer, ben vous apercevez qu'il y a beaucoup moins de dégâts. Et la raison, je vous passe les notes techniques, hein, enfin les résultats techniques de ça, la raison de ça, eh bien c'est que tout simplement, vous avez plus de colonisation par des colitotrichomes. Et donc, aujourd'hui, on laisse les feuilles mortes. Parce que bien sûr, les feuilles mortes, il y a aussi des pathogènes qui font des spores, mais visiblement, l'effet des champignons qui regagnent à partir des feuilles mortes les jeunes feuilles qui viennent de sortir, notamment l'effet des colitotrichomes, est bénéfique. Ben, c'est énorme, hein, cette histoire. Ça veut dire que entre les mauvais et les bons champignons dans les feuilles de mortes de cacaoyer, c'est l'effet des bons champignons, ceux qui sont favorables au cacaoyer, qui l'emportent. C'est quand même un truc de ouf. Et puis, alors voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui est appliqué maintenant dans les cacaoyères. Bon, alors, on a fait beaucoup de choses, hein, parce qu'on a défendu la plante, elle mange, bon. Ah oui, mais dites donc, quand elle mange, c'est aussi grâce à la photosynthèse, hein. Bah oui, les plantes, elles sont vertes parce qu'elles ont de la chlorophylle, et la chlorophylle, elle se trouve dans les cellules au niveau de structures particulières qu'on appelle les... Alors, je pense que quelqu'un va nous dire ça, là. Allez-y, soyez pas timide. Les chloroplastes. Les chloroplastes. Oui, exactement. Chloroplastes, ça y est, ça arrive. Bérénice, Thomas, très bien. Stéphanie, Joanne. Et effectivement, elle n'est pas n'importe où dans la cellule. Elle est dans des petits corpuscules qui, du coup, sont verts et qu'on appelle les chloroplastes. Eh bien, figurez-vous que ces chloroplastes, en fait, bon, c'est là qu'a lieu la photosynthèse, c'est-à-dire que la chlorophylle capte l'énergie lumineuse et c'est dans les chloroplastes que le CO2 est transformé en sucre. Bon, eh bien, figurez-vous que ce lieu de la photosynthèse, on sait maintenant que ce sont en fait des bactéries qui vivent dans les cellules. Les chloroplastes, par exemple, ils contiennent des gènes. Il y a quelques gènes dedans, ils ont un génome. Et ces gènes, en fait, sont des gènes de cyanobactéries. Les cyanobactéries, c'est un groupe de bactéries que vous allez voir, que vous connaissez en plus, hein. C'est un groupe de bactéries qui sont présentes, qui vivent libres, qui font la photosynthèse. Et en fait, l'ancêtre des plantes a attrapé une cyanobactérie qui s'est reproduite en captivité, si j'ose dire, qui s'est multipliée dans les cellules. Quand les cellules se sont divisées, ben, les deux cellules filles en ont hérité. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien, cette bactérie qui ne vit plus que dans les cellules, elle est transmise de génération en génération et où elle assure la photosynthèse. Mais la photosynthèse, c'est une propriété de bactéries qu'ont acquis les ancêtres des plantes. Ces cyanobactéries, vous les connaissez. Parce que bon, non seulement c'est elles qui font que la végétation est verte,
puisqu'il y a une partie d'entre elles qui vivent dans les cellules des plantes. Alors ça, c'est un groupe particulier, hein, qui vit que là. Mais c'est aussi ce qui fait la patine un peu grise du calcaire, voire même les plissures un peu gris-bleu là, qu'on a sur les façades et sur les falaises. Ce n'est pas de la pollution, hein, ça, c'est juste des cyanobactéries libres, comme ce Glaucapsa qui est représenté ici à droite. Les cyanobactéries, c'est quelque chose qui recouvre aussi, qui vit à l'état libre sur les rochers, sur les parois rocheuses. C'est quelque chose qui est très présent dans notre environnement et qui fait grisonner les roches. Ben oui, la photosynthèse, les plantes, elles l'ont attrapée comme on attrape la scarlatine ou la rubéole. C'est une bactérie qu'elles ont adoptée et qui est maintenant devenue un constituant ordinaire de leurs cellules. Alors ça, c'est fort, hein ? Parce que vous voyez que tout à l'heure, on se disait, oui, ah ben Marc-André, évidemment, il va nous parler de sol, il va nous raconter que les plantes, elles exploitent le sol avec des mycorhizes. Ben oui, mais l'air aussi, elle l'exploite avec des bactéries, donc avec des microbes. Même si ces microbes sont devenus des composants ordinaires et transmis de génération en génération. Hein. Aucune plante n'est morte de manquer de chloroplastes. Hein. Bon, je vais continuer encore avant de prendre quelques questions. Et je voudrais maintenant vous montrer l'importance de ces microbes à un autre niveau, qui est celui du développement et de la reproduction de la plante. Là, on n'est plus dans la nutrition et la protection, on est dans l'acquisition de la forme adulte, d'une part, et la reproduction, d'autre part. Depuis tout à l'heure, je vous mène en bateau avec cette image où, depuis tout à l'heure, vous avez certainement l'impression que c'est des arbres normaux, ils ont un tronc et puis ils ont des branches. C'est quoi que tu regardes ? Ils ont des branches un peu en hauteur. Et c'est des branches qui sont vertes. Alors en fait, si on réfléchit, cette image du tronc en forêt est complètement pas logique. Regardez. Dans cette haie trait, on a des arbres en bas qui sont tout jeunes. Et vous voyez qu'ils ont des branches dès la base. Or, les arbres, ils grandissent par le haut. Ils ne se déplient pas comme des parapluies. Donc, quand cet arbre-là aura un tronc qui occupera, disons, une bonne moitié de sa surface, il devrait, même s'ils n'ont pas poussé, il devrait dépasser les branches qu'il avait quand il était plus jeune. Où sont passées les branches du bas ? Alors, une remarque, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de compétition pour la lumière, elle reste. Elle reste. Ça montre bien qu'il y a des branches dès la base. D'accord ? Sauf qu'elles ont disparu, là. Alors, où sont-elles passées ? C'est simple, en fait. Les branches basses sont les victimes de champignons qui les attaquent et qui, alors, soit les tuent, si jamais elles sont simplement affaiblies par le manque de lumière, soit les dégradent et les décomposent, si jamais elles sont déjà mortes de faim. Et ces branches vont être rapidement résorbées et disparaître. Alors vous allez me dire, ah oui, d'accord, elles ne sont plus là, ok, ça donne la forme de l'arbre. Ah ouais, mais c'est plus compliqué, hein, c'est plus compliqué. Ces champignons qui dévorent les branches basses vont avoir un rôle très important. Maintenant, je vais vous montrer l'image d'arbres qui n'ont pas ces champignons-là. Je vous emmène en Bretagne, donc à Belle-Île-en-Mer, à l'endroit d'où je suis originaire, et où... les paysans, quand ils ont fait le remembrement pour les encourager, on leur a dit, si vous remembrez, on vous donnera de quoi faire des haies. Et on leur a donné, alors pas des plantes locales, on leur a donné des pins sidnis et des cupressus, ou des cyprès de l'Anvers, si vous préférez, de Californie. Super cadeau, parce qu'en plus, on s'est aperçu après, quand ils ont été grands, qu'ils ne tenaient pas au vent. Bon, alors, pas grave, erreur d'aménagement, mais à l'époque, les agriculteurs de l'île se sont dit, oulala, mais j'ai plus de plants qu'il m'en faut pour mettre autour de mon champ. Je vais faire des petites forêts et puis je vendrai du bois. Alors, n'est pas sylviculteur qui veut. Hein. Regardez le désastre. Ces champignons, ces arbres-là ont été introduits sans les champignons qui s'attaquent à leurs branches, sans les champignons qui s'appellent, autant en dire le nom maintenant, les agents d'élagage. Alors, en fait, là, on voit très bien qu'il y a des branches basses, mortes ou mourantes, qui ne se décomposent pas. Par contre, dès qu'elles tombent au sol, là, c'est plus humide et elles se décomposent. Ce n'est pas les mêmes champignons qui sont les agents d'élagage et qui sont les décomposeurs au sol. Elles se décomposent très bien au sol, mais tant qu'elles ne sont pas au sol, elles ne se décomposent pas. Et ça, c'est une catastrophe, parce que ces arbres, en grandissant, ils englobent ces racines mortes ou mourantes. Et quand vous faites des planches là-dessus, c'est plein de nœuds, des nœuds pourris, enfin pas pourris, mais des nœuds qui se détachent, des nœuds de vieux bois tout sec. C'est une catastrophe. Normalement, après élagage, vous avez une cicatrisation cambiale qui s'opère, et d'une part, ça referme complètement le contact entre le bois
et l'extérieur, et ça empêche que des champignons qui mangeraient le cœur du bois ne pénètrent dans l'arbre. Les agents d'élagage, eux, ils n'arrivent pas à rentrer dans l'arbre parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le tronc. Donc, ils meurent quand la branche est morte, ils ont fait des spores entre-temps et tout est fini pour eux. Mais vous voyez, vous avez une cicatrisation qui fait que maintenant, ben, d'une part, les maladies ne peuvent plus rentrer dans le cœur du bois et en plus, vous commencez à faire une fibre bien lisse et bien continue après l'élagage qui est plus résistante mécaniquement. Et oui, ceci, ce que vous voyez là, c'est une sculpture de champignons où les champignons ont élagué les branches basses, ce qui est excellent pour la rigidité mécanique du tronc et pour la santé du tronc. On n'est pas les premiers à avoir inventé la taille des arbres. Pour le coup, les champignons ont commencé avant nous et en forêt, les arbres forestiers sont des sculptures de champignons. Alors, il faut que vous réalisiez qu'en fait, on pourrait passer toute la soirée à donner des exemples, mais il y a plein de fonctions pour lesquelles les champignons ont été recrutés. Et l'une de ces fonctions, les champignons et les bactéries d'ailleurs, hein, les microbes en général, et l'une de ces fonctions, figurez-vous que c'est l'odeur de la fleur. Alors maintenant, je vous emmène sur une fleur de sureau. Pour ceux qui n'auraient jamais senti, il faut absolument le printemps prochain aller sentir ça. Ça sent bon comme tout. Et l'odeur des fleurs de sureau, qui est due à l'émission de terpènes, eh bien, quelqu'un s'est demandé que font les microbes là-dedans. Alors c'est simple, hein, les auteurs de cette expérience, ils ont suivi l'émission de terpènes, c'est la courbe avec les ronds blancs là, sur une huitaine de jours. Vous voyez qu'il y a une émission, puis vers 8 jours, les fleurs commencent à être un peu plus vieilles, il y a moins d'émissions. Et dans le même temps, ils ont suivi un autre lot qui émet, vous voyez, pas mal de terpènes, et au jour zéro, ils ont passé par fumigation des antibiotiques qui ont tué toutes les bactéries. Et après, l'émission d'odeur a chuté. Elle a chuté, et elle reste jusqu'à la fin. Le tiers de ce qu'elle est quand il y a des microbes. Et oui, les terpènes sont préparés par les plantes, et une partie des dernières réactions qui les volatilisent et qui en font de l'odeur, elle est réalisée par des bactéries, au moins chez le sureau. C'est trop beau, hein ? Même l'odeur des plantes nous rappelle la présence des microbes. Et d'ailleurs, ces microbes, ils vont continuer leur travail un peu plus loin, et des fois, ils sont importants pour la germination. Alors, regardez par exemple ce qui se passe dans cet exemple ici, où on étudie des graines, alors juste un lépidium, une petite plante de la famille des crucifères, où la graine est emballée dans un emballage très dur qui la protège. Bon. Alors, cet emballage très dur, quand on l'enlève et quand on sort la germination, et bien vous voyez en rouge que on la stérilise ou pas, qu'il y ait des champignons ou non, elle germe très vite. Bon, maintenant regardez les courbes suivantes. En noir, c'est les graines qu'on a stérilisées. Vous voyez qu'elles ne germent pratiquement pas. Quand on enlève les champignons sans enlever l'emballage, la plante ne germe pas. Enfin, les graines germent mal. Quand on enlève l'emballage, quand on regarde des graines qui ne sont pas traitées en rouge, on s'aperçoit qu'elles germent plus vite parce qu'il y a des champignons. Et quand on enlève les champignons par stérilisation, puis qu'on rajoute des champignons extraits de la graine, et ben de nouveau, c'est en bleu, ça germe correctement. Alors ça démontre que quand c'est stérilisé, ça ne germe pas. Normalement, ça germe très vite. Pourquoi ? Ben, parce qu'il y a des champignons. Si on les enlève et qu'on les remet, ça germe normalement. Et en fait, l'idée, c'est que les champignons arrivent à détruire l'emballage et qu'il faut détruire l'emballage pour que ça germe, puisque quand on détruit l'emballage, ça germe tout de suite. Alors, si je remets tout à l'endroit, c'est une plante que son emballage protecteur empêche de germer. Quand on enlève l'emballage protecteur, ça germe tout de suite. Mais dans la nature, c'est un champignon qui détruit cet emballage protecteur. Et s'il n'est pas là, si les champignons ne sont pas là, si on stérilise l'emballage, eh bien, la plante met beaucoup plus de temps à germer, elle a beaucoup plus de temps d'être attaquée par un pathogène ou d'être mangée par un granivore. Ben voilà, alors je vais arrêter un petit peu là. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'à toutes les époques de sa vie, la plante, elle est accompagnée de microbes, ça va jusqu'à la reproduction. Super,
Merci. Alors, on a encore des choses à dire, mais là, c'est peut-être le moment de prendre quelques questions quand même. Alors, y avait des discussions sur justement qu'est-ce que tu appelles microbe, parce que tu utilises un terme qui est, de mon point de vue, pas hyper scientifique, mais j'entends que c'est aussi une dynamique de vulgarisation. Pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière microbe, le mot microbe? Alors, c'est un terme scientifique, hein, Ah, puisqu'il d'accord. a été créé par un médecin militaire. Alors, vous direz, c'est un Pardon. militaire aussi, donc voilà. C'est DIO, c'est un parfait synonyme de micro-organisme. D'accord, ok. Donc c'est. Ça comprend tout ce qui est trop petit pot de vu à l'œil nu. Donc, tu as les champignons, parce que les filaments de champignons ne sont pas visibles à l'œil nu. Hein, c'est la partie reproductrice, des fois, quand tu as un cèpe dans la main, tu ne peux pas le louper. Mais au jour le jour, c'est des filaments microscopiques. Ça comprend les bactéries. Ça comprend, mais je n'en parle pas aujourd'hui, les amibes. Et les ciliés, bon voilà. Et puis ça comprend les virus. Et j'en parle pas non plus parce que on sait qu'il y a des virus qui aident la plante à vivre bien, mais on a très peu d'exemples. Pour ceux que ça intéresse, on publie là-dessus une revue dans Médecine Science d'ici un ou deux numéros sur les virus symbiotiques des animaux et des plantes, mais on manque beaucoup d'exemples. Donc moi j'appelle microbe égale micro-organisme tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et pour terminer. Si c'est un terme scientifique, mais le terme scientifique n'est pas, comme le terme, l'utilisation habituelle, négatif. D'accord. Habituellement, ça désigne des maladies. Et en fait, ça, ce n'est pas vrai du tout. Et moi, je veux vraiment redorer le blason de ce mot et pas me cacher derrière des mots différents. Les microbes, c'est aussi positif. La fameuse phrase, attention, tu vas attraper des microbes. Oui, mais en fait, si tu n'en attrapes pas quand tu es bébé, bah, tu digères mal, tu attrapes des diarrhées parce que tu attrapes que les mauvais. Et donc, nous aussi, hein, on a des microbes qui nous aident à fonctionner. Sûr, bien sûr. Génial, super. Donc, Donc, Michel a raison, mais c'est pas, il a raison, c'est un terme pour désigner un être microscopique, mais ce n'est pas non scientifique. Non, non. d'accord, c'est scientifique. Par exemple, il y a une revue qui s'appelle Plant Microbes Interactions en anglais. En anglais, le terme est resté un terme qui peut passer dans le vocabulaire courant et qui, du coup, n'a pas pris cette connotation pardon, que c'est toi, Samuel, qui répondais. C'était moi. Excuse-moi. C'est cette connotation que tu ressens et qui est une connotation erronée et que moi, je veux enlever. Génial, super, merci pour cette précision. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y avait là, juste à l'instant une question de Joanne sur, hormis les champignons et les virus, qu'est-ce qui est transmissible à la semence dans la reproduction de la plante? Champignons, virus, bactéries, mais c'est à peu près tout, hein. Alors, il y a aussi des bactéries qui sont transmises. Bon, j'ai enlevé plein d'exemples, hein. Mais il y a notamment des bactéries qui synthétisent une hormone importante à la germination, qui est la cytokinine. Quand on traite les semences aux bactéries, elles germent moins. Et quand on remet ces bactéries ou quand on remet des cytokinines, elles récupèrent leur pouvoir germinatoire. Donc, il y a aussi des bactéries dans les semences qui aident notamment, entre autres, à la synthèse de vitamines. Excellent, super. Alors, quelqu'un a mis le mot symbiose, hein, c'est tout à fait le mot, hein. Vivre ensemble à bénéfice réciproque, bah, c'est ça. Yes. Il y a quelqu'un qui a parlé aussi de, enfin, sur le ton un peu de la boutade, mais de, est-ce que nous on a un peu l'équivalent de cette cyanobactérie dans nos cellules? Ça existe un peu, ça, c'est un peu le rôle de la mitochondrie, mais c'est autre chose, on Oui, peut même non, tu as proche. raison. Oui, alors, mais oui, en fait, il y a aussi une autre fonction métabolique importante qui est la respiration, que l'ancêtre commun des champignons, des plantes, des amibes et des animaux a attrapé en apprivoisant une bactérie. On sait depuis longtemps que la respiration, ça a lieu dans une partie de la cellule qu'on appelle la mitochondrie. On sait maintenant qu'il y a de l'ADN dans la mitochondrie, qu'il y a des gènes, et ces gènes, ils nous disent que la mitochondrie est une bactérie qui vit là. Alors la cellule lui amène tout ce qu'il faut, elle la protège, elle la nourrit de tout, et en échange, la mitochondrie fait la respiration et nous redonne de l'énergie, techniquement sous forme d'ATP. Ce qui fait que les plantes ont donc deux bactéries symbiotiques dans les cellules, le chloroplaste et la mitochondrie, et toi, Samuel, bah, t'en as qu'une. Voilà. Du coup, tu es Super. obligé d'aller au travail, au lieu de te foutre à la lumière, ou à rien foutre, en attendant que la photosynthèse se fasse. Et en plus, si tu es un humain standard, tu penses que tu es plus évolué qu'une plante. Tout ça parce que Exactement. tu viens de prendre le métro pour aller au travail. Merci de me rappeler à ma condition. Alors, je ne sais pas si tu es prêt à prendre des questions orales, mais il y a Thibaut et Etiche qui ont levé la main. Donc, Allez-y, allez-y, ça nous fera une pause. Et puis, j'ai un dernier truc à vous raconter, mais parlons. alors, allons-y. Par ordre alphabétique. Thibaut, c'est parti. Ah, alors, par l'alphabétique, c'est dans l'autre ordre, mais.
Bon, allez, Il y a Hello qui vient de se greffer. Alors, Etiche, Thibaut, Hello? Ouais. Alors, il y a Thibaut qui est déjà avec nous. Salut. Yes. Bienvenue à toi. Bonsoir, Marc-André. Salut, Samuel. Moi, j'ai une question. Je l'ai écrit sur le chat aussi, mais je vais la reposer. C'est, est-ce que le fait de favoriser l'introduction de champignons saprophytiques en ajoutant du coup de la matière en décomposition type du bois, BRF, tout ça, est-ce que ça favorise aussi le développement de champignons mycorhiziens, d'endophytiques qui vont favoriser et aussi de la vie microbienne avec des toutes petites bestioles dont j'oublie le nom. Et voilà tout ce qui peut ramener de la vie en fait, mais qui est plus au niveau de la microfaune et du champignon qui va favoriser après le développement de haies qu'on plante, qu'on bouture, etc., quoi. Alors, en fait, c'est bien de mettre de la matière organique dans le sol pour plein de raisons, réserve en eau, stabilité mécanique, stockage de carbone, donc lutte contre le réchauffement climatique. Il y a plein de bonnes raisons de mettre de la matière organique au sol. Mais tu ne nourriras jamais des champignons mycorhiziens avec ça. Parce que les champignons mycorhiziens, en fait, ils ne se nourrissent que du carbone de la plante. Ils ne savent pas faire autrement. D'accord? Donc, c'est bon pour les sols, mais ce n'est pas bon pour les mycorhizes. Ce qui est bon pour les mycorhizes, c'est l'enherbement. Je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait entre les rangs d'arbres, il faut qu'il y ait des plantes. Entre deux récoltes, il faut semer des plantes qui vont entretenir les champignons mycorhiziens. Et d'ailleurs aussi d'autres champignons qui sont, ou d'autres bactéries qui vivent autour de la racine et qui peuvent avoir des rôles protecteurs ou des rôles bénéfiques. Il y en a plein d'autres, hein. Je ne vous ai pas fait toute la liste. Je vous donnerai tout à l'heure le titre d'un livre qui en donne la liste. Le livre est un peu plus épais que le compte-rendu de la réunion de ce soir. Mais la matière organique, Yes. il faut en apporter au sol, mais ce n'est pas ce qu'il faut aux mycorhizes. Ce qu'il faut aux mycorhizes, c'est un couvert en permanence. Ok, super. Super. Merci. Merci, merci Thibault. Et ben on va passer la parole à Étiche. Bonsoir. Alors, il faut que tu allumes ton micro et éventuellement ta vidéo si tu es d'accord. Allô, bonjour, bonsoir tout le monde. Vous Salut. m'entendez? Je t'entends très bien. Parfait. Ok, super. Pardon. Voilà, donc. Voilà, moi j'ai une question parce que voilà, là je suis basé en, enfin je vais me baser en Nouvelle-Calédonie, OK. donc à l'autre bout du monde, donc des différents champignons que ceux d'Europe. Et voilà, c'était enfin, une idée de ramener des variétés, de remplir mon sac de graines paysannes de France, plein, ou de graines paysannes ou F1, mais bon. Des variétés d'Europe ou de France, peu importe, mais parce que là-bas, on a très peu de diversité au niveau, ne serait-ce que des légumes basiques. Donc, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'il faut seulement que je travaille avec des... Est-ce Non, non, que ça vaut la peine. Tu dans ces sais, comme c'est graines, il y pas aura très des champignons? spécifique, Les champignons seront là dans la graine pour travailler non, avec? non. Mais dans la diversité des champignons qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, il y aura bien assez parce que les plantes que tu vas ramener seront entomycorhizées. Or, la plupart de la flore de Nouvelle-Calédonie est endomycorhizée. Donc, les graines vont, et d'ailleurs, on sait très bien que les plantes introduites poussent, parfois même elles sont invasives, hein, c'est problématique, elles trouveront les champignons. Ce n'est pas comme pour les pins, où là, il n'y avait pas du tout de champignons formant d'ectomycorhize. Donc, pas de souci de champignons à attendre, puisque là, les plantes cultivées, une fois de plus, ont les mêmes types de mycorhizes que les plantes indigènes. D'accord, et au niveau des... D'accord, bon. Et les arbres aussi, donc, ça... Alors, les arbres néo-calédoniens, il y en a qui sont ectomycorhizés, et donc en plus, en Nouvelle-Calédonie, il y a peut-être même des endroits où, sans précaution, on peut planter des arbres européens. Ce n'est pas une super idée quand même, hein, de planter des plantes introduites, parce que notamment sur des îles comme la Nouvelle-Calédonie, c'est invasif. Donc, il faut se limiter aux Oui, plantes élémentaires. ça peut aller très vite, oui, c'est... Oui. Oui, ça resterait du poivron, de la salade, des petits Oui, ben légumes. ça, voilà. Et ben ça pousse partout, parce qu'il y a toujours les champignons qu'il faut dans le lot local. D'accord. OK. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Rien. Merci Super. beaucoup pour votre réponse. Merci, Etiche. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. Et ben on a Hello et il y a encore voilà, d'autres personnes après. Tu me dis, hein, Marc-André, quand tu veux C'est bon, reprendre c'est ton bon. Non, on a propos. le temps là encore. C'est parti. Salut, Hello.
Bonsoir. Moi, j'ai une question qui rejoint un petit peu quelque part celle des tiges. J'ai été impressionnée par la présentation à Yellowstone par rapport à la chaleur, parce qu'on a beaucoup parlé avec le jardin forêt, avec le key lime, la forêt syntropique, on a des solutions pour l'eau. Mais s'il fait trop chaud, on a beau avoir de l'eau, les arbres vont souffrir, le pollen ne va pas pouvoir. Enfin voilà, ça crée des problèmes. Et je voudrais savoir, est-ce qu'avec les micro-organismes, avec les microbes, les champignons, on pourrait permettre à nos arbres de s'adapter à la chaleur ? C'est une question maligne, effectivement. Hein, et oui, c'est une bonne idée sur le papier. En réalité, bon, d'abord, moi, je pense plus à la sélection variétale pour l'instant, parce qu'on maîtrise très peu les champignons capables d'aider les plantes à résister au stress thermique. D'autant plus que sur une graminée comme le dicantélium qui pousse sur un sol stressant, bah, elle s'est adaptée en recrutant un champignon. Mais les plantes qui rentrent dans un nouvel état climatique où il y a du stress thermique, bah, c'est nouveau, donc elles n'ont pas dans leur héritage un bagage de champignons qui gère ça. Cela dit, d'une façon générale, c'est une piste intéressante. Je ne sache pas qu'elle soit vraiment explorée, mais il faut quand même comprendre que, je l'ai dit très rapidement, quand les plantes voient des champignons, elles bazardent des radicaux libres pour les tuer. Et donc, les champignons, souvent, ont une bonne adaptation, quand ils vivent dans une plante, à détruire les radicaux libres. Bon, là, je parle de radicaux libres que la plante fait quand elle sent un champignon, quand elle est attaquée. D'ailleurs, souvent, elle ne le fait pas quand il y a un champignon, mais quand il y a un champignon plus des signes de cellules attaquées. S'il n'y a pas d'attaque, en général, elle ne le fait pas. Mais pour être endophyte, il faut gérer les radicaux libres parce que la plante, elle peut en faire contre vous ou contre un autre. Bon. Alors maintenant, autre chose. Les radicaux libres, c'est aussi des choses qui se font par erreur, par accident, lorsqu'il y a un stress. Suite à un stress de froid, de chaleur, un vent trop fort. Bon, c'est des choses qui se passent aussi par accident. Et en fait, il semblerait que la machinerie des champignons pour annihiler les radicaux libres, soit aussi efficace pour annihiler les radicaux libres qui se forment quand il y a un stress. Or, quand il y a un stress, il y a les dégâts directs du stress, puis après, ça fait des radicaux libres, et ça fait des dégâts indirects qui sont souvent plus importants. Donc, vraiment, ces capacités des champignons endophytes sont intéressantes, mais après, on n'aura sans doute pas, enfin, faut pas penser à une solution universelle. Je doute qu'on trouve un champignon qui marche sur toutes les plantes. Et je pense qu'à à court terme, c'est quand même dans la sélection variétale qu'on a le plus d'espoir. Okay. Tant est qu'on en est vraiment de ce côté-là. L'autre espoir, c'est de prendre des plantes qui poussent aujourd'hui dans les conditions climatiques qui aura demain chez nous. C'est, à mon avis, c'est encore plus efficace. Mais des fois, si la même espèce pousse là-bas, bah, quelque part, c'est remplacer les variétés d'ici par celles de là-bas. Donc, ça revient de la sélection variétale. Très bien, merci. J'ai une question des jardins d'Amphipolis. Oui. Ben, justement, on vous donne la parole. Voilà, on m'entend. Ouais, ouais. Alors, un peu plus fort la voix, si tu peux. Et c'est ah top. Oui, désolée. J'avais une question donc, par rapport à tout ça. J'ai semé... en pot avec du terreau, un séquoia géant de Californie et des cyprès de Provence. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils poussaient très peu. Et je voulais savoir si c'était dû au fait qu'ils ont poussé dans du terreau après avoir été stratifiés. Bon, ils n'ont pas dépassé 5 cm de haut. Du coup, je pensais qu'ils avaient poussé cet été, surtout que c'est des plantes qui sont censées pousser avec la chaleur. Donc, je m'étais dit qu'avec la chaleur qu'on a eue cet été, ça allait aller. Et du coup, je voulais savoir si c'était dû au manque de champignons, justement, et si oui, comment y remédier ? Super. Ouais, alors, c'est une question compliquée. Hein. Là, je ne peux pas faire de consultation à distance sur des pots que je n'ai pas vus. Le truc, c'est que je doute, moi, que ce soit un manque de mycorhizes, OK ? Parce que ces plantes-là sont toutes endomycorhizées. Donc, il y a chez nous pas mal de champignons. Alors, évidemment, elles doivent être un peu à la peine pour trouver ceux qui leur correspondent bien, parce que là où elles poussent à l'origine, bah, leurs parents, leurs cousins, tout le monde encourage ces champignons-là, il y en a plus. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit ça qui soit limitant. Il faudrait peut-être vérifier.
Le terreau, c'est stérile, non? Est-ce qu'il y a des champignons dans du terreau du commerce? Oui, mais quand on fait un pot chez nous, les champignons endomycorhiziens, ils arrivent quand même vite. Bon, ça vaut la peine d'en mettre peut-être un petit peu de terre en mélange classique, mais dans du terreau, il y a peu d'endomycorhiziens, c'est vrai, dans du terreau, mais quand même. Non. À vue de pif, moi, je vérifierai quand même si le pH, la présence de calcium, tout ça est cohérent avec les préférences de l'espèce déjà. Ok, super. Éventuellement, je mettrai un peu de terre standard, mais j'aime pas donner les conseils de jardinage parce que je ne suis pas jardinier. Et en fait, faut savoir dire quand on ne sait pas. Là, je ne sais pas, hélas, répondre à cette question. Super, Merci. merci à toi en tout cas pour d'avoir pris le temps de poser ta question. On peut donner encore la parole à Marilyn, c'est OK pour toi? Oh, c'est parti, Marilyn. Super, merci. Je me demandais un petit peu, en fait, quand on récupère un terrain qu'on ne connaît peut-être pas toujours à fond, ou dont on connaît l'historique, mais à grosse louche, comment est-ce qu'on peut observer si est-ce qu'il y a une manière d'observer si le sol est en bonne santé, s'il y a justement les micro-organismes nécessaires ou s'il a été fort, fort abîmé? Je pose la question notamment parce que je viens d'une maison avec un jardin dans lequel on avait beaucoup, où tout mettait beaucoup de mal à pousser, donc on pensait que c'était une question de tassement de la terre et de structure. Et en fait, avec le temps, malgré toutes les améliorations qu'on apportait, on observait que ça restait quand même difficile, ça fonctionnait, mais c'était plus lent que partout ailleurs. Et en fait, c'est en lisant votre livre que j'ai vu cette piste justement des endomycorhizes, parce que les seules plantes qui poussaient bien, par exemple dans le potager, c'était les bêtes et les choux. Donc, a priori, Pardon, les bêtes et les... les bêtes et les choux, donc Chénopodiacées, les deux. Et c'était vraiment les seules plantes qui poussaient, Mais je dirais, c'est normalement. possible. Mais là encore, il peut y avoir plein d'autres façons d'expliquer ça. Alors, donc, je ne peux pas commenter sur le cas, hein, mais par Non, contre, ce non, que non, je mais peux dire en fait, je donnais ça vraiment sur la juste comme santé des exemple. sols, Oui, c'est ça. sur la santé des sols, en fait, parce que c'est la vraie question, je pense qu'il ne faut pas chercher les indicateurs microbiens. On n'en a pas. Alors, il y a des gens qui vous vendent des séquençages de la diversité génétique, enfin, de la diversité moléculaire, hein, des organismes sur la base de leur ADN. Mais ces listes-là, on ne sait pourquoi, pas quoi en faire, on ne sait pas les analyser, c'est trop compliqué. Donc, du coup, s'il est vrai que la santé du sol repose sur les microbes qui sont présents, après, quand les microbes sont présents, les consommateurs de microbes sont là. Et les résultats sur des paramètres de structure sont bons. Donc, il faut prendre les vieux paramètres. Il y a un. Vous pouvez aller voir le site de Rhizobiome, je le mets dans la fenêtre de discussion, parce qu'ils font des petits appareillages, des petites routines très simples que chacun. Le but, c'est que les gens soient en autonomie par rapport à l'estimation de la qualité des sols. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des protocoles de stabilité texturale, c'est des tests de la bêche, c'est des comptages de vers, parce que s'il y a des vers, c'est qu'il y a une vie microbienne suffisante. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre les paramètres intégratifs qui résultent de ça et voir s'ils sont là. Mais s'ils ne sont pas là, ben, c'est les gestes habituels, labourer et perturber le sol le moins possible, mettre la matière organique le plus possible et toujours avoir une couverture végétale. Ok, trop bien. Et ça suffit en soi à récupérer. Est-ce que ça peut suffire à récupérer un sol qui serait potentiellement vraiment en mauvaise santé ou pas? Bah, théoriquement, oui, mais après, il y a aussi des cas, des complications, s'il y a des métaux lourds, s'il y a des hydrocarbures. Et alors là, ça peut aussi gérer d'ailleurs de façon biologique, mais ça demande d'autres traitements. Mais pour un sol qui est en fatigué et un peu matraqué par des engrais, oui, ça le fait. Ok, cool. Merci beaucoup. Donc, il y avait une question, quelqu'un demandait si les cytokines, c'était comme celles qu'on a dans notre organisme. Moi, je parle de cytokinine, pas de cytokine. Voilà, c'est une question pointue. Et il y a une autre question qui demandait si les bactéries ou les champignons étaient apparus en premier. Alors, entendons-nous. En fait, on est tous des descendants d'ancêtres qu'on a en commun. Quelqu'un faisait remarquer que les champignons étaient nos plus proches parents. Oui, les animaux et les champignons ont un ancêtre commun quelque part il y a en gros 1 milliard d'années. Et puis après, cet ancêtre commun, un ancêtre commun avec les plantes. Enfin, d'abord, cet ancêtre commun, un ancêtre commun avec les amibes. Puis cet ancêtre commun aux amibes, aux plantes et aux animaux, un ancêtre commun avec les plantes. Puis l'ancêtre commun de tout ça, un ancêtre commun avec les bactéries. Donc en fait, c'est l'apparition du groupe qui est plus ancienne. Mais les bactéries actuelles ne sont pas plus anciennes que nous.
on a tous des ancêtres à cette époque-là. Donc, il y a peut-être des groupes qui sont apparus en premier, mais on est tous des espèces actuelles. D'accord ? Et donc, faut faire attention à ne pas penser que les bactéries sont des espèces d'organismes primitifs. Pas du tout. Depuis notre ancêtre commun, elles ont évolué. Notre ancêtre commun, peut-être qu'il ressemblait morphologiquement à une bactérie, mais dans ses caractéristiques physiologiques et tout, il devait être très, très différent. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a encore des questions ? Alors, il y avait encore, il y avait Aniram, mais est-ce que Marc-André a répondu, c'était à propos du travail du sol et de l'impact du travail du sol, et notamment d'un travail superficiel. Est-ce que tu veux poser ta question quand même, ou comment c'est pour toi? Alors, est-ce que tu es là? On ne t'entend pas. Bon. On t'entend. Bonjour. Ouais, salut. Oui, salut, désolée, j'étais ailleurs. Merci pour cette présentation. Oui, je voulais poser la question autour de l'agriculture. Donc, je voulais savoir si, à quel niveau le travail du sol impacte justement ce réseau mycorhizien et voilà, pour un travail du sol superficiel notamment et une fois par an. Alors, j'en ai parlé pas mal dans toutes mes conférences sur le sol. La réponse est beaucoup, hein, évidemment, parce qu'un champignon, c'est fait de filaments. Les filaments, ça se déchire au labour, alors que les bactéries, elles sont à la fois plus petites et pas filamenteuses. Donc, quand on laboure, la plupart du temps, elles restent dans leur rumeau de sol. Elles ne se rendent même pas compte qu'on a labouré. Hein. Donc, j'en parle pas mal dans mes conférences sur le sol. Notamment, il y en a une qui est bonne en prise de vue, je veux dire, hein, oui. Qui a été faite à l'Espace des sciences de Rennes. Super. Vous pouvez chercher ça. Et pour le coup, effectivement, j'ai bien remis, hein, c'est vraiment Rhizobium, la coopérative qui propose des méthodes d'études à la maison. Et les Rhizobium, c'est aussi quelque chose qui est important. Les sols, c'est ce qu'aident les légumineuses à fixer l'azote. Je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai envie de sortir du sol quand même à un moment. Et ensuite, sur le même thème, j'avais juste, une autre personne du coup avait posé la question de l'impact des pesticides ou des, voilà, de tout ce qui peut être mis en plus. Notamment des néonicotinoïdes. Oui, alors les néonicotinoïdes, bon, c'est pas très bon pour les insectes en général, hein, ça c'est clair, je pense, pour tout le monde. Des choses comme le glyphosate, c'est pas bon pour les champignons mycorhiziens du sol et pas bon pour les vers de terre. Donc, effectivement, ça, c'est sûr qu'il y a tout un tas d'apports qui ne sont pas bons. En fait, il faut se dire que chaque fois qu'on fait un sol, un truc qui ne se passait pas avant, labour, engrais minéraux, pesticides, y a des organismes qui ne sont pas adaptés à ça. Hein. Sur les milliers d'organismes, les centaines de milliers d'organismes, d'espèces qui vivent dans les sols, il y en a qui ne supportent pas. Donc, elles disparaissent et éventuellement, avec elles, peut disparaître une fonction vitale au fonctionnement des sols. Ok, super, merci. Eh ben, merci beaucoup. Et rien. Chouette. Si c'est toujours ok pour toi, on peut donner la parole à Manon. Oui. Salut Manon. Salut, vous m'entendez? On t'entend très bien. Bonsoir. Déjà, merci pour le début de la présentation. C'est super intéressant. Tout est super intéressant. J'avais une question. Vous disiez que du coup, les mycorhizes sont très sensibles à un sol nu. Mais du coup, qu'en est-il des ectomycorhizes dans une truffière avec le brûlé qui est souvent soumis au rayon du soleil? Est-ce qu'il vaudrait mieux les couvrir avec des feuilles mortes ou c'est un autre système? D'accord. Ah, ouais, j'ai un truc, c'est qu'en fait, je m'aperçois que depuis tout à l'heure, tous mes messages, je les envoie seulement à Michel. Donc, je vous remets l'Espace des sciences de Rennes. Rhizobium, c'est bien pour tout le monde. Hein. Il y a effectivement. Bon, j'espère que. Voilà, mes messages sont un peu perdus. Alors, pour les truffières, en gros. Faire une truffière, c'est nourrir des champignons mycorhiziens, donc il faut des arbres. La première chose qu'on fait, c'est planter des arbres. Et puis après, il faut avoir des gestes d'entretien de la partie où sont les filaments de la truffe. Alors, cette partie-là, on l'appelle brûlée parce que les plantes ne poussent pas beaucoup. Alors, oui. Je n'ai pas prévu de parler de ça ce soir. J'ai fait plusieurs webinaires sur la truffe. Il y a plein de trucs sur Internet. De toute façon, il y a 300 vidéos ou conférences sur Internet
Déjà, donc, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver des choses. Il y a aussi sur le site web de mon labo, vous tapez Solos Museum, il y a en ligne tous mes articles. C'est-à-dire que moi, quand je publie, même quand je signe des copyrights, des transferts de copyright, je mets sur mon site de toute façon. Donc, il y a une liste de publications scientifiques, ça ne va pas. Et il y a une liste de publications de vulgarisation où il y a notamment pas mal, il faut regarder les numéros, j'ai essayé de les retrouver là en parlant, il y a pas mal de papiers de vulgarisation sur la truffe. On en a fait pour la science, la recherche, enfin, voilà. Alors, oui, c'est bon là. Bon, c'est bon. Alors, on ne reçoit pas tes messages encore dans le chat, en tout cas. Il faut que tu choisisses tout le monde dans le... Je ne sais pas, je suis bloqué. Ça revient tout le temps sur Michel. Genre là, je t'avoue, Michel, en tout cas, Michel est très chanceux. Ah, ça y est, ça fonctionne. Bah oui, mais Michel, voilà. Michel, si vous pouvez renvoyer ce que je vous ai envoyé, ça peut être bien. Merci, Donc, j'ai mis, vous avez eu le site web et je vous donne les numéros. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le 210, le 208, carrément. Si tu peux, Michel, si tu es d'accord de nous les repartager tous les messages de Marc-André, franchement, ça serait super dans le non, chat. Mais... Il y a des gens qui te supplient d'ailleurs, il y a Alexandra qui te supplie de nous... Non, mais il n'y a pas grand-chose, je pense que tout était bon, hein. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a combien d'autres choses de mémoire ? C'était 147, mais je ne sais pas. Ça, c'est les numéros d'ordre hein, de ces articles, alors... Bon, écoutez, vous chercherez, mais les deux je chercherai, il n'y a pas de souci. 210. Alors, l'idée, c'est que la truffe pénètre, elle est ectomycorhizienne, elle est associée aux racines des arbres, mais elle pénètre de façon endophyte, diffuse, dans les racines des plantes herbacées. Et ce que montrent nos travaux, des tests en mésocosme, enfin en peau qu'on a fait, c'est qu'en fait, elle parasite plutôt ces plantes-là. Elle les empêche de germer, elle les empêche de se nourrir bien, et c'est pour ça qu'il y en a peu et qu'elles sont chétives, et que ça fait comme un brûlé. Donc ce brûlé résulte d'une écologie particulière de la truffe qui est un mycorhizien d'un côté et plutôt un parasite racinaire de l'autre. Ensuite, l'entretien du brûlé, ben, on ne peut pas labourer. Par contre, des fois, on veut oxygéner. On veut faire entrer l'eau. Alors on utilise la grelinette, quelqu'un l'a mentionné, là, ça part en vrille, du coup j'ai plein de patrimoine culturel de la chanson française. Et oui, la grelinette, c'était Lily qui parlait de ça. Oui, effectivement, ce n'est pas un labour, parce que là, vous écartez, mais vous ne cisaillez pas. Donc, les filaments peuvent facilement, pas toujours, mais ils peuvent un peu se ressouder et rétablir la continuité du réseau, on appelle un mycélium, du réseau de filaments. Donc la grelinette, elle est utilisée par les trufficulteurs et ça montre bien qu'elle est compatible avec les champignons du sol. La grelinette, c'est comme s'il y avait un ver de terre qui passait ou une taupe qui faisait un trou, une perturbation ponctuelle. Ça, le sol est adapté et les organismes du sol sont adaptés à ça. D'accord. Ok, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc la grelinette, oui, le problème c'est que la grelinette, quand on a 150 hectares de céréales, oui. Il faut trouver autre chose. Il y a des outils, hein. certains agriculteurs, ils utilisent des outils qui permettent de mimer, on va dire, un peu l'effet de la grelinette sans qu'il y ait de retournement. Notamment, il y a Yeo Mans, un permaculteur australien, qui a travaillé sur un modèle, une sorte de sous-soleuse qui permet simplement de faire de la décompaction. Ouais, alors ça, moi, c'est un peu violent. Bon, après, on pourra en parler, hein. Je pense qu'il y a des solutions en termes de machinisme agricole, c'est sûr, mais à ma connaissance, elles ne sont pas encore commercialisées. Ok, super. Bah, avec plaisir en tout cas de d'échanger sur ce sujet parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Super, merci Manon. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Yes. Merci, profite bien. Il y a encore Louis qui avait levé la main, donc on peut éventuellement prendre sa question. Oui. Bonsoir, vous m'entendez ? On t'entend bien, ouais. Parfait. Ok, super. Moi, j'avais juste une question, parce que j'avais planté, par exemple, des jeunes châtaigniers et savoir si mettre les chapeaux des cèpes de Bordeaux auprès des racines, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est pertinent ? Et la deuxième question, je suis dans un jeune vignoble, et je voulais savoir plutôt l'impact des produits cuivrés. J'ai entendu qu'ils n'étaient pas très impactants sur les champignons du sol. Est-ce que c'est vrai ? Et vers quelle gestion rapidement on peut tendre pour maximiser ça. Alors, les cèpes de Bordeaux, je n'ai pas bien compris, vous les écrasez au pied des arbres, c'est ça, pour inoculer ? Oui, c'est ça, je les ai mis aux racines, à un morceau de chapeau. En fait,
souvent, c'est déjà très peuplé et la probabilité d'installation n'est pas élevée. Donc, ce n'est pas bête. Hein. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit avec des champignons dans le jardin de mes parents qui avaient planté des arbres dans ce qui était avant une pâture, donc où il n'y avait pas d'ectomycorhiziens. Et ensuite, il y a eu des champignons qui ont ressemblé à ce que j'avais écrasé, mais je ne suis pas sûr qu'ils ne soient pas arrivés par eux-mêmes. Hein. Donc, en général, quand on inocule, ce qu'on commence par faire en pépinière ou expérimentalement, on désinfecte complètement le sol. Et quand il n'y a plus rien, ben, le truc qu'on inocule, il s'installe bien. Voilà. Okay. Mais donc, ce n'est pas bête comme réflexe. Okay. Le cuivre, alors le cuivre, bon, ben... le cuivre, en fait, quand il arrive dans le sol, il se fixe très vite à la matière organique ou à la matière minérale. Et il ne bouge plus, comme dans le cas de l'oxalate de calcium. Le calcium est immobilisé. Le cuivre, quand il interagit avec les substances du sol, il est rapidement inerté. Mais le problème, donc, c'est que ce qui arrive circule et pendant quelques instants, avant de se faire choper par le sol, c'est toxique. Donc, il ne faut pas qu'il en arrive trop. Et ça veut dire qu'en fait, tout marche bien. Hein, jusqu'à des valeurs de l'ordre de 4 kg par hectare et par an, en moyenne. Après, il commence à y avoir trop de cuivre circulant. Et puis, il y a aussi autre chose qui nous dit que le cuivre n'est pas une bonne solution pour l'avenir, hein, c'est que, pour le coup, le cuivre, il est fixé, mais quand on change de culture, les racines des plantes sécrètent des tas de substances. Et quand on change de culture, ben, on peut avoir des sécrétions qui déstabilisent les complexes cuivre X. Et donc, on va relibérer le cuivre. Alors là, c'est la catastrophe. Pendant quelques années, c'est le bordel. Donc, le cuivre, ce n'est pas très toxique pour les sols, mais il ne faut pas changer de culture. Alors, vous voyez, quand vous faites de la vigne ou de l'arboriculture, ça va. Enfin, si vos enfants ont envie de planter ensuite du maïs, enfin, non, ce n'est pas une très bonne idée, mais peut-être qu'ils planteront des céréales, alors là, c'est une catastrophe. OK. Et donc, une fois de plus, hein, c'est, je ne sais pas si quelle culture, c'est la question de savoir qu'est-ce qui n'est pas bon après du... Non, c'est le changement de culture déstabilise certains complexes, quelle que soit l'espèce qu'on met, si ce n'est plus la même. Ok. Super. Alors, ça ne se voit pas parce que le cuivre circule tellement peu qu'il se trouve piégé dans le sol sous la vigne et que donc, il n'arrive même pas dans l'interrang. Bon, il est très rapidement fixé, donc c'est pour ça qu'il est. En fait, c'est pour ça qu'il fout le bordel dans les cellules. C'est qu'il se fixe à n'importe quoi, il le pète. Alors, ça, évidemment, dans les cellules, c'est. Ok, super, merci. Chouette. Alors, est-ce qu'on continue avec les questions? Comment est-ce que tu veux reprendre un bout de conférence? Comment est-ce que tu es Ben, je vais peut-être reprendre 2-3 trucs. Je dois vous montrer un peu les histoires de réseaux mycorhiziens quand même. Génial, avec plaisir. Est-ce que c'est OK? Mais préparez-vous à quelque chose qui ne ressemble pas au roman qu'on raconte d'habitude. Ah, et ben, encore mieux alors. OK, c'est la cinquième et dernière histoire. Et puis après, il y a une conclusion et une page publicitaire. C'est presque fini, vous êtes presque au bout de vos efforts. Alors, je vous emmène d'abord, pour bien comprendre la séquence suivante, dans une forêt un peu ennuyeuse d'ailleurs. C'est le Fango en Corse. C'est une réserve, homme et biosphère. Et en gros, il pousse du chêne et de l'arbousier. Donc, ce n'est pas hyper biodivers. Hein. Il y a quelques autres plantes, soyons honnêtes. Mais en tout cas, il y a deux plantes qui font des ectomycorhizes, le chêne et l'arbousier. Et on a ramassé avec un thésard que j'avais à l'époque, Franck Richard, qui maintenant est professeur à l'Université de Montpellier. On a ramassé plein de mycorhizes et puis on a étudié par l'ADN, on a essayé d'identifier quels champignons étaient sur les racines. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'on avait 25% des champignons qui étaient sur le chêne vert seulement, 5,4% qui étaient sur l'arbousier seulement, mais que, en fait, la majeure partie des champignons étaient sur les deux partenaires. Et d'ailleurs, il y avait deux espèces d'arbres formant des ectomycorhizes, mais en face, il y avait plus de 520 espèces de champignons mycorhiziens. Donc, c'était assez divers par en dessous. Mais voyez qu'en fait, il y a des champignons qui peuvent être mycorhiziens sur deux plantes, notamment deux plantes d'espèces différentes. En réalité, quand le mycélium du champignon pousse dans le sol, il peut mycorhiser d'autres plantes voisines. Et, je le répète, elles peuvent être de la même espèce ou, comme c'est le cas sur cette image, d'espèces différentes.
Alors ça, c'est assez extraordinaire et ça fait des réseaux mycorhiziens. Alors les gens ont dit, oui, ah, bah, les plantes s'entraident. Bon, il y a quelques articles qui le montrent dans des situations particulières, mais la vraie vérité, c'est que ce qu'on connaît bien, c'est les truands dans le réseau. Eh oui, les truands. Au début des années 2000, je me suis intéressé à une orchidée, la néocinie d'oiseau, qui a la double caractéristique de ne pas être chlorophyllienne, donc elle ne fait pas la photosynthèse. Hein. Et d'autre part, d'avoir des racines qui ne sont pas fixées sur les plantes voisines. Donc, elle n'est pas parasite, pas directement parasite des plantes voisines. Néanmoins, ces racines sont très abondamment pourvues de champignons. Et comme cette plante est apparemment nourrie par le champignon, eh bien, depuis le 19e, tout le monde essayait de savoir quel champignon. Sauf qu'on n'arrivait pas à le cultiver au laboratoire, et le bilan, c'est qu'on ne savait pas quel champignon c'était. Alors, aujourd'hui, on étudie ça avec de l'ADN, comme je vous l'ai dit. Ce n'était pas difficile de voir par l'ADN quel champignon c'était. J'ai découvert que c'était des champignons du groupe des sébacinales, mais ça, tout le monde s'en fout parce que, bon, il n'y a que les mycologues qui connaissent. Mais j'ai surtout montré que ce groupe de champignons, qu'on ne connaissait pas du tout hein, à l'époque, on savait même pas, enfin, on connaissait peu sa diversité, et surtout, on ne savait pas comment ils vivaient. Et j'ai découvert aussi, dans le même temps, que sur les ectomycorhizes des arbres voisins, car la néocinie d'oiseau, j'ai oublié de vous le dire, c'est une plante forestière. Sur les ectomycorhizes d'arbres voisins, j'ai trouvé non seulement la même espèce, mais souvent le même individu, c'est-à-dire génétiquement des individus qui étaient identiques. En gros, non seulement ces champignons faisaient des mycorhizes à la fois sur la néocinie et sur les arbres voisins, mais on retrouve les mêmes individus. Et donc, clairement, il y a un réseau mycorhizien. Et ça, c'est ainsi que se nourrissent quelques plantes non chlorophylliennes qu'on trouve en forêt. On pourrait aussi citer le monotrope suspin ou des plantes des gentianacées tropicales comme les voirias ou tout un tas de plantes des forêts tropicales comme les burmanias, les bon, enfin bref, c'est des plantes que vous ne connaissez pas forcément, mais il y en a vraiment beaucoup sous les tropiques. Et ces plantes, en fait, partagent un champignon avec les arbres voisins et elles détournent une partie du carbone qu'a reçu ce champignon. Et par ailleurs, le champignon leur donne de l'eau et des sels minéraux. Alors, entre nous, bon, le champignon est entendu perdant dans cette histoire-là. Et là, ce n'est pas une jolie histoire d'entraide, hein, mais c'est une histoire qui démontre bien que les champignons qui relient deux plantes peuvent faire circuler des ressources. Mais il y a plus. Parce que ce dont je vous ai parlé, c'est un truc de plantes non chlorophyllènes en forêt. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais on comprend bien d'ailleurs qu'elles sont adaptées hein, à la vie en forêt puisqu'elles n'ont plus besoin de faire de la photosynthèse. Mais ce que, dans les 20 dernières années, mon équipe de recherche a fait et continue de faire à Paris et à Gdansk, c'est de travailler sur des plantes qui sont voisines évolutivement de ces plantes non chlorophylliennes. Donc, vous voyez, c'est le même groupe, sauf qu'elles, elles sont vertes. Par exemple, la céphalanthère de Damas, c'est une orchidée forestière qui a la caractéristique d'être très proche évolutivement de la néocinie d'oiseau. Bon. Eh bien, figurez-vous que ces plantes-là, qui vivent en forêt et qui donc ont elles n'ont plus pas beaucoup de lumière pour la photosynthèse, eh bien, elles utilisent aussi le réseau mycorhizien pour pomper des ressources sur les arbres. Alors là, je peux vous faire 3 heures de conférences scientifiques là-dessus, mais je voudrais vous montrer la preuve la plus remarquable. Dans cette espèce-là, les individus survivent aux mutations qui leur font perdre la chlorophylle et qui leur font perdre la photosynthèse. Cette orchidée, hein, elle vit sur un rhizome et elle fait une tige chaque année. L'orchidée de droite, elle est ressortie pendant 15 ans. Et elle n'a jamais eu de chlorophylle, mais elle survit très bien. Bon, elle fait un peu moins de graines, et du coup, elles se reproduisent moins, et donc les individus blancs sont rares. Mais vous voyez que dans ces espèces-là, les individus blancs survivent. Et d'ailleurs, ça, dans l'évolution, ça a dû être l'histoire de la néocinie d'oiseau, qui doit descendre d'un individu blanc qui a réussi à survivre, et à survivre bien, dans une espèce qui était verte, mais qui était verte, et qui exploitait aussi le réseau mycorhizien. Ces espèces vertes-là, elles exploitent aussi leurs champignons en plus, et c'est pour ça qu'elles peuvent survivre à la perte de la chlorophylle. Je connais ça chez les épipactis. C'est beau, hein ? Parce qu'en plus, là, la plante contient des anthocyanes, et donc on s'aperçoit que quand on a retiré le vert, ben, en fait, elle est rose. Ce mode de vie-là, il est fréquent en forêt, et il est plus fréquent encore que le précédent. C'est un mode de vie dans lequel vous avez un réseau qui relie les arbres aux plantes de sous-bois qui font un peu la photosynthèse, mais qui la complètent d'un flux de sucre venu des plantes, des arbres voisins. Alors, je vous ai dit ça parce que, arrivé à cette étape, vous avez peut-être envie de me dire dans l'exposé, ah bah oui, la plante, elle est associée à des microbes, il faut considérer tout l'ensemble. Mais vous réalisez là qu'en réalité,
ce que je viens de vous dire, c'est que la plante, elle est associée à des champignons, mais ces champignons sont associés à d'autres plantes qui nourrissent aussi ces champignons. D'ailleurs, ils peuvent même nourrir la plante focale. Et donc, les autres plantes autour, en contribuant à la vie du champignon, eh bien, elles contribuent aussi à la vie de cette autre plante centrale. Mais ces plantes-là autour, si elles vivent bien, si elles ont des ressources à donner aux champignons, c'est aussi qu'elles sont aidées par d'autres champignons, etc. Et vous voyez qu'en fait, mais rapidement, on trouve un réseau. Et ce réseau, il existe en plein de points. Par exemple, il y a aussi tout un tas de bactéries du sol qui se multiplient et puis qui peuvent passer d'une racine d'une plante à une plante voisine. Il y a tout un tas de pathogènes qui peuvent venir des plantes voisines. Mais il y a aussi tout un tas de petits acariens protecteurs sur les feuilles, je ne vous en ai pas parlé, mais qui viennent aussi des plantes voisines. Donc, ce que font les plantes voisines pour nourrir et protéger ces acariens, ben, ça aide ensuite les plantes d'à côté à recevoir de ces acariens quand ils bougent. Les pollinisateurs, c'est pareil, ils ne sont pas nourris par une seule plante. Ils se nourrissent sur une plante et les plantes voisines ont contribué à faire que le pollinisateur arrive jusqu'à la plante qui va être pollinisée. Bref, les plantes sont reliées entre elles par tout un tas de bactéries qu'elles partagent, d'acariens protecteurs des feuilles, de mycorhizes et de pollinisateurs. En fait, hein, le vivant prend en réseau et il ne faut pas arrêter la description que j'ai faite simplement à une description d'un cortège de petits organismes qui accompagnent la plante. C'est le début d'un grand réseau et c'est le début d'une logique d'ensemble dans les écosystèmes. Par parenthèse, il y a aussi des réseaux de parasites et il arrive souvent que les parasites qui ont réussi sur les voisins réussissent sur vous. Le réseau n'est pas fait que d'interactions très favorables. Et d'ailleurs, avec les plantes non chlorophylliennes que je vous ai décrites, je vous ai montré comment des parasites peuvent s'introduire dans un réseau d'entraide. Bref, on pourrait y passer des heures, on pourrait même écrire un livre qui pourrait s'appeler « Jamais seul » parce que les plantes ne sont jamais seules. Alors, il se trouve que j'ai écrit un livre qui a le même titre, qui s'appelle, qui est sous-titré « Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Alors là, si vous en voulez encore plus, vous en aurez encore plus. Aussi sur le microbiote des animaux, dont quelqu'un faisait remarquer qu'il était aussi constitutivement important, et aussi sur les microbiotes qui accompagnent nos civilisations, ceux, par exemple, qui fermentent nos aliments. Pour ceux qui ont envie de suivre d'autres exposés, d'autres conférences ou d'autres parutions, j'ai une page Facebook. Bon, c'est tout ce que j'ai la force de faire en termes de réseaux sociaux. J'en suis désolé, ce n'est pas terrible, mais il y a au moins ça qui permet de suivre où je vais faire des confs et qu'est-ce que je publie. Et ça permet d'aller plus loin que ce soir. Par contre, il y a peut-être encore des questions. On a encore un peu de temps là. Génial, déjà, merci. Merci beaucoup, Marc-André. C'est vraiment chouette. Je crois qu'on va sortir toutes et tous plus intelligents ce soir qu'on est arrivé. Et voilà, vraiment, je crois que voilà, il y a plein de monde dans le chat là qui te remercie. Oui, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Il nous reste environ un quart d'heure. On va pouvoir prendre quelques questions si c'est OK, si tu as encore l'énergie de ça ce soir. Ah oui, oui, oui. Après, j'ai mangé calmement. Génial. Trop bien. Eh bien, Rémi, c'est parti. On te laisse la parole. Bienvenue à toi. Yes, génial. Mon micro est bon ? Ton micro ouais. Est bon. OK. Parfait. Déjà, merci beaucoup, Marc-André. Toujours aussi passionnant de t'écouter. J'ai une question bactéries, du coup. Donc, les plantes utilisent les bactéries pour se nourrir dans le sol. Il y a des échanges. Il va y avoir peut-être plusieurs questions dans ma question. Est-ce que j'imagine que chaque plante va avoir différents types de bactéries dont elles se nourrissent. Est-ce que ça peut arriver que dans certains types de sols, les plantes ne trouvent pas exactement les bactéries qu'il leur faut, auquel cas, on peut faire un peu ce qu'on avait vu avec Hervé, de faire un petit ferment pour ajouter des bactéries. Et j'avais lu, je crois avoir lu quelque part, tu me diras si c'est vrai, que ça peut arriver que dans les graines des plantes, au moment où la plante germe, où la radicule commence à sortir, il y a déjà des bactéries qui sont dans la graine, et auquel cas la graine aurait déjà ces bactéries, les bactéries qui lui vont bien, déjà dans la graine. Est-ce que c'est une légende ça ? Non, c'est pas. Alors ça dépend. Hein. Pas des bactéries comme des rhizobiums fixatrices d'azote ou des choses comme ça. Ça, non. Non, hélas, non. Mais parce que les bactéries qui font, comme les champignons qui font les symbioses dans le sol, elles sont dans le sol. Bon, donc elles peuvent pas coloniser la graine. Mais par contre, il y a dans la graine des bactéries, et c'est notamment ces bactéries dont j'avais parlé tout à l'heure, qui sont des bactéries
qui, alors voilà, j'ai de quoi montrer maintenant la chose. Donc, je vais vous la montrer. Qui sont des bactéries qui aident à la germination. Hop. Hop. Et voilà. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse différence entre la façon dont les microbes colonisent les plantes et la façon dont les microbes colonisent les animaux. Les animaux, ils ne peuvent coloniser que les surfaces et les creux, comme le poumon, le tube digestif, la bouche. Chez les plantes, les cellules sont légèrement séparées entre elles, parce que ça permet de passer... Il y a une paroi qui les protège, et deuxièmement, dans ces creux, ces délaminations de la paroi entre voisines, il y a l'air qui passe. C'est comme ça qu'arrive le CO2, ou l'oxygène. Et on voit très bien ici ces bactéries ici, qui colonisent les interstices entre les cellules. Ce qui est rouge, c'est les plastes. Là, avec cette méthode, ils apparaissent rouges. Les chloroplastes. Et donc, on voit très bien que les bactéries qui sont en bleu ici, elles sont dans l'espace intercellulaire, là où circulent les gaz, là où se fait l'approvisionnement en gaz. Et donc, dans une plante, tous les tissus sont dans leur masse colonisés de microbes. Alors, les méthylobactéries sont des habitants ordinaires des tissus où elles vivent par la déméthylation des pectines, elles vivent de radicaux méthyl. Bon. Et vous voyez ici des traitements de germination du soja, témoins, 45%. Quand on rajoute des PPFM, 65%. Quand par chauffage on tue les PPFM, 20%. Quand on chauffe, puis qu'on rajoute les bactéries, les PPFM. Bah oui, d'ailleurs, pourquoi j'ai mis les bactéries, moi, ça ne va pas. Toujours utiliser le même mot pour la même chose, sinon personne ne comprend rien. Là, quand je rajoute des PPFM, bah, je compense le chauffage. Et quand j'ajoute de la cytokinine, je compense aussi le chauffage, ce qui fait qu'on pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces bactéries amènent une des hormones nécessaires à la germination. Voilà. Donc, il y a des microbes dans les graines, parce que les graines, ce n'est pas comme les embryons chez nous, c'est plein de petits trous par lesquels les microbes ont pu rentrer. Et d'ailleurs, il y a des gens qui aujourd'hui ont introduit des bactéries dans les graines en les pulvérisant sur les fleurs. Ça marche très bien. Après, ce ne sera pas forcément héritable aux générations suivantes. Hein. Mais la germination de la graine, ça marche. Okay. Il doit y avoir une vidéo en ligne d'une conférence sur les microbiotes des graines que j'avais fait à Lyon. Mais je ne sais même pas où elle est. Je crois qu'elle a été mise en ligne, mais je n'ai même pas repéré où c'est. Donc, je n'ai pas l'HTTP sur mon ordinateur. On va la chercher, peut-être on la trouvera. Si on la trouve, on la mettra, on la mettra avec le replay de la conférence de ce soir. Super, merci. Merci Rémi. Est-ce que c'est OK pour toi ? Ouais, super, merci. Génial, top. Alors, on va passer la parole à Meïna et Brigitte. Bienvenue à vous. Bonsoir. Non, je crois qu'elle n'est pas en ligne. Hein. Alors, bonsoir. 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 Moi, j'avais une question sur la pertinence d'apporter des EM, des efficients micro-organismes dans le sol, ou si c'est plus pertinent de laisser les locaux, les organismes locaux, micro-organismes locaux, se développer. Quel est l'impact en fait d'apporter des organismes extérieurs pour boucher ça. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, c'est, tu parles des EM qu'on achète dans le commerce. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un point sur lequel, je suis désolé, la science, elle se trompe, des fois elle se trompe ou des fois elle ne se trompe pas, mais en tout cas, elle n'est pas faite simplement pour aller au-devant de nos idées reçues ou des choses qu'on voudrait entendre. Et c'est un point où je pense que je choque beaucoup de gens, mais pour moi, toutes les poudres à palimpinpin où on ajoute des microbes venus de l'extérieur, ce n'est pas très sérieux pour deux raisons. La première, et là, ça va répondre au truc sur Hervé Covès. Avec Hervé, je lui ai souvent dit, moi, je n'y crois pas à ton truc. Bon, moi, je crois à Hervé, mais je ne crois pas forcément tout ce qu'il fait. Mais par contre, je crois en Hervé. Quand vous avez un truc qui a fermenté dans des conditions semi-aqueuses et tout, vous le mettez dans le sol où il y a de l'oxygène, où il n'y a pas les mêmes ressources, le choc est rude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui s'installent, hein, mais je pense que si c'est un effet, ce n'est pas vraiment un effet d'inoculation. Donc, je ne dis pas que la formulation que propose Hervé ne marche pas. Je lui fais entièrement confiance. Mais je ne pense pas que ce soit un effet d'inoculation. Et d'une façon générale, moi, je n'aime pas ces histoires d'inoculation pour trois raisons. Un, souvent, c'est des microbes exotiques. Introduire des espèces exotiques, c'est de temps à autre en introduire une qui va devenir invasive. Dieu merci, ce n'est pas arrivé, mais moi, je n'aime pas qu'on joue à ça. Donc, pas d'espèces exotiques introduites si ce n'est pas nécessaire. Deux,
Le problème, ce n'est pas de les mettre, c'est qu'ils s'installent. Moi, j'ai fait ma thèse il y a fort longtemps sur l'histoire de persistance de champignons mycorhiziens introduits. Et il n'y a qu'à voir comment la trufficulture, on peine à avoir des truffes, quoi. C'est putain de dur parce qu'il y a déjà du monde. Donc, c'est dur d'inoculer. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que les chances d'inoculation ne sont pas élevées, sauf si on stérilise. Mais alors, ce n'est pas ce qu'on veut. Effectivement, quand en pépinière, on stérilise le sol et qu'on met de la truffe, après, les chênes, ils sont truffiers, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas ce qu'on veut dans nos champs. Donc, un, attention aux exotiques. Deux, l'installation, ce n'est quand même pas si donné, si sûr que ça. Et trois, en fait, on sait, ça, c'est un truc que je raconte dans un autre livre qui va falloir que je vous parle, c'est mon livre sur l'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. J'explique dans ce livre, qui est aussi paru chez Actes Sud, qu'en fait, il n'y a pas d'extinction d'espèces ou très peu d'extinction d'espèces dans les sols agricoles de France. Il y a surtout un crash des populations. Mais ça, c'est partout pareil. Hein, quand on vous dit qu'on a perdu 80% des insectes en 30 ans et 15% des oiseaux en 30 ans, donc j'ai bien dit 30% des insectes en 15 ans, voilà, ici. Ou quand on vous dit récemment, on a entendu qu'on avait perdu 70% des mammifères en 50 ans, ce n'est pas le nombre d'espèces. Bien sûr, il y a quelques espèces qui ont disparu, mais c'est le nombre d'individus. Alors, quand les individus disparaissent, il y a de la diversité génétique qui disparaît, hein, parce que chaque individu est différent. Donc, il y a de la diversité génétique qui a disparu, mais dans la diversité d'espèces, pas tant encore. Comme le dit le titre du livre, alors c'est aussi un très bon livre, qu'a écrit le directeur du muséum, Bruno David, et son titre, c'est « À l'aube de la sixième extinction ». C'est que le début. Et dans les sols, en réalité, il n'y a pas eu beaucoup d'extinction. Il y a juste un crash des populations, parce qu'on laboure, parce qu'on met des pesticides, parce qu'on met des engrais minéraux et parce qu'il n'y a plus de matière organique. Notamment à cause du labour, mais pas que. Parce qu'on utilise des engrais minéraux qui ne sont plus des engrais organiques. Donc, aujourd'hui, il suffit de retrouver des gestes plus vertueux, une fumure organique, pas de labour, des couverts perpétuels, et réveiller la belle au bois dormant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi, les apports, je n'en ressens pas la nécessité, ni théorique, ni la pertinence pratique à cause des premiers points que j'ai évoqués. Ok, merci beaucoup Marc-André. Voilà, et donc c'est à vous de jouer le prince charmant et de faire des bisous à la terre pour qu'elle se réveille. Et les bisous, c'est des plantes et de la matière organique. C'est de la merde et de la verdure. Super, merci. Merci Emmanuel et Brigitte. Chouette, on va passer la parole à Claire. Bienvenue Claire. Bonsoir, merci beaucoup pour cette merveilleuse conférence. J'ai bien entendu qu'il y avait des gentils champignons, mais aussi certains qui peuvent jouer le rôle de truands, qui ne sont pas forcément très aimables. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut agir pour les rendre moins nuisibles? Par exemple, je pensais à un champignon type le pourridier ou l'armillaire qui va se glisser dans les racines des arbres et tuer les arbres. Non, sont... alors là, effectivement, c'est un des trucs où il est difficile de bien faire, on est d'accord. Sur les pourridiers, il n'y a pas beaucoup de bonnes solutions. C'est donc notamment l'armillaire, effectivement, c'est l'armillaire, pardon, mais il y a tous ces champignons qui s'installent dans le sol. Et là, la seule solution, c'est la diète. Donc typiquement, ils s'attaquent à des ligneux. Il faut pendant quelques temps ne plus mettre de ligneux. D'accord, qu'ils aient plus de quoi se nourrir. Quoi. Bah, et quelques temps, franchement, 15 ans, c'est mieux que 10. Ah oui. Donc, ça, c'est super chiant. Et c'est la plaie des jardins botaniques en particulier, dont la fonction est d'avoir des plantes de toutes sortes, et notamment des arbres. Et comme c'est des arbres qui ne sont pas dans leur zone d'origine, ils souffrent quand même un peu, ils ne sont pas en bonne forme. Donc, ils ont du pourrier. Bon, je sais que notamment au jardin botanique de Montpellier, quand j'étais prof à Montpellier, c'était la pagaille, c'était vraiment le. Il n'y a pas, grand chose à faire. Non, et c'est bon de rappeler qu'il n'y a pas que des bons champignons. Hein. Les champignons, c'est comme tout le reste. Il y a des bons et des mauvais. C'est pareil, on nous vend des champignons qu'on peut inoculer, mais bon, on a déjà eu la réponse à cette question. Ben, je suis désolé qu'elle soit négative. Alors maintenant, si vous voulez vraiment passer à la caisse, parce qu'il y a aussi ça, hein, ça coûte quand même. Donc en maraîchage, ça va, mais en agriculture, les pauvres, déjà, ils passent assez à la caisse. Vous avez des boîtes qui viennent chez vous. Ils prennent votre sol,
qu'ils ramènent chez elles et puis qui font des cycles de culture, enfin c'est des méthodes brevetées, pour amplifier la quantité de spores et elles vous rendent vos champignons. Et ça marche bien. C'est-à-dire que des fois, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas le facteur limitant, mais des fois, il y a des très, très beaux résultats. Moi, il y en a une que je connais parce que je suis au conseil scientifique. J'y suis gratuitement, hein, je ne suis pas payé. Et donc, je vois les résultats passer. Je vois que des fois, il n'y a pas de réponse et je vois que souvent, il y a des belles réponses. Et c'est des réponses durables parce que les microbes que vous avez introduits, ah oui, l'autre chose, j'aurais dû ajouter pour la réponse précédente, un autre problème, c'est que les microbes que vous ajoutez, même s'ils s'installent à un moment donné, ils n'ont pas vécu là de tout temps. Leurs ancêtres n'ont pas eu l'occasion de croiser nécessairement les températures extrêmes ou les sécheresses ou les humidités extrêmes du sol. Et donc, ils peuvent disparaître quand arrive un épisode rare dans l'écosystème. Alors que les microbes locaux, s'ils sont là, c'est que leurs ancêtres ont résisté aux perturbations même rares que vivent cet écosystème. Et une sorte de patrimoine évolutif à récupérer en récupérant le local. Il faut penser local aussi pour le vivre. Et ce que cette entreprise fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire chacun chez soi de façon artisanale On peut le faire en mettant, tu vois, des interrangs et des intercultures, et en les mettant très diverses, parce que c'est ça qu'ils font. Mais sauf qu'eux, ils ont des mélanges de plantes qui permettent d'obtenir beaucoup de spores sur des cycles très courts, quoi. C'est des trucs qu'ils ont étudiés, et voilà. Donc, oui, mais quelque part, c'est une variante de ce que tu peux faire moins efficacement, mais que tu feras de toute façon à long terme ensuite, c'est d'avoir des couverts et des couverts variés. Soit des couverts d'interrangs variés, soit des cultures dites dérobées entre deux cultures. Au lieu de laisser le sol tout brun, bah, tu nourris les microbes du sol dépendant des plantes en semant un couvert mélangé de crucifères, de légumineuses, de graminées. Tu peux mettre de la facélie, tu mets un beau mélange. Yes. Entretien. Génial, microbes. Merci. Merci Claire. Merci beaucoup. Je vais prendre la question de Philippe. Bienvenue à toi. Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y aura le temps de répondre. Je voulais savoir. On va le prendre. Ce que vous pensez des techniques qui visent à booster un peu la vie du sol, si je pense aux techniques informatives, genre biodynamie avec les P500, ou les techniques d'électroculture ou d'apport de basalte paramagnétique. Ce sont des techniques qui visent à booster la vie du sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Super, merci Philippe. Qu'est-ce que j'en pense? D'abord, c'est souvent des méthodes pour lesquelles on n'a pas beaucoup de travaux de recherche qui racontent ce que ça donne sur un grand nombre de parcelles. Moi, les trucs que je raconte sur les sols, souvent, c'est soutenu par des centaines de travaux de recherche différents. Un peu d'ailleurs comme l'agriculture conventionnelle, hein, où on sait très bien quand est-ce qu'il faut mettre le phosphore ou quand est-ce qu'il faut mettre le glyphosate, hein, parce que ben, y a beaucoup de travaux. Il y a malheureusement moins de travaux sur les toxicités induites, mais bon. Donc déjà, je manque de recul, mais en même temps, il y a un truc qui me gêne. Quand je vois, moi, quand j'explore le monde vivant comme microbiologiste, combien des fois c'est contre-intuitif la façon dont ça se passe. Parce qu'après, on raconte une belle histoire, mais éventuellement, ce qu'on découvre, c'est complètement le contraire de ce qu'on avait imaginé. Que j'ai du mal à penser que Rudolf Steiner, qui n'était pas du tout un spécialiste du sol, hein, c'est un ésotéricien, un philosophe ésotéricien, ait pu brutalement intuiter quelque chose de génial. Et en même temps, j'observe aussi qu'il n'y a pas de solution universelle. Par exemple, typiquement, il n'y a pas des champignons qui conviendraient pour toutes les plantes. Et donc, j'ai un peu de recul quand la pensée vient de gens qui n'ont pas passé leur vie à besogner sur le sol ou sur les interactions, parce que moi j'ai encore rien compris à des tas de trucs. Ok, il y a deux trois trucs que j'ai compris, mais vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de moments où je vous ai répondu que je savais pas. Donc ça m'énerve quand ça vient de gens qui n'ont pas besogné. Alors, peut-être qu'ils sont géniaux, hein, mais bon voilà. Et la deuxième chose, c'est que toutes les solutions qui sont à tendance universelle ne me vont pas, parce que je sais très bien que, en gros, chaque solution dépend du sol, du type de sol et de l'itinéraire culturel. C'est quelque chose qui fait la force de l'agriculture conventionnelle, et nous qui proposons des alternatives, nous devons proposer des alternatives aussi puissantes, c'est-à-dire
pas des traitements qui marcheraient partout, parce que ça ne marchera pas, mais des traitements qui sont basés sur beaucoup d'expériences, et ils s'en font, hein, mais aujourd'hui, ils en font encore plus, et qui se déclinent par type de problématique, par type de culture, par type de sol. Quant à la biodynamie, eh ben, moi, je commence des travaux là-dessus, dans le vignoble, et ce que je vois, c'est que la vertu de la biodynamie, c'est qu'elle est bio. Mais le côté dynamie, ça change quelques paramètres qui ne sont pas forcément des paramètres vraiment majeurs en fonctionnement des sols ou des plantes. Et je ne suis pas sûr que l'aspect dynamie soit vraiment important. Dans la biodynamie, ce qui est bien, c'est les gens. Parce que souvent, c'est les gens qui se posent des problèmes et qui se posent des questions. Alors, ils ont trouvé la biodynamie comme réponse, mais d'une part, ils l'ont adaptée. Et d'autre part, c'est les gens qui se posent des problèmes. Donc, ils sont très vigilants à tout un tas de trucs. Et ils travaillent mieux parce qu'ils sont vigilants. Donc pour moi, la biodynamie, elle est forte d'être bio et des gens qui l'incarnent. Mais je ne suis toujours pas sûr qu'elle soit forte d'être dynamique. Et moi, j'ai lu Rudolf Steiner. Je mets au défi quiconque de le faire. C'est illisible. Dès la deuxième page, vous ne comprenez plus rien. Sauf le moment où il dit, bah, il n'y a qu'à fourrer des bouses de cornes avec de la, des cornes avec de la bouse. Et alors là, c'est marrant parce qu'autant dans les leçons précédentes, les agriculteurs auxquels fait secours ne posent pas de questions, autant au moment où ils commencent à parler de la bouse de corne, alors là, c'est l'effervescence dans la salle, les gens disent oui, mais alors quelle bouse, à quel moment? Si on n'a pas de vache, comment on fait? Et là, Rudolf Steiner s'énerve, il s'énerve, il dit mais c'est n'importe quoi, vous n'avez pas compris, je vous parle de l'éthérique. En fait, personne n'a compris que c'était ce que c'est que l'éthérique, donc effectivement, personne n'a compris. Il s'énerve, il fait vous n'avez qu'à prendre des crânes de chevaux et de la bouse de et du crottin de cheval, ça marche aussi. Et on. Alors donc, les mecs ensuite passent à d'autres questions. Mais clairement, pour lui, la bouse, c'est un détail. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il dit, il parle de la bouse, par exemple. Exemple de quoi? Je ne sais toujours pas. Et voilà. Donc, c'était la minute pour la biodynamie. Moi, je respecte éminemment les gens qui le font. Et je pense qu'on leur doit justement d'étudier très précisément lesquels des gestes qu'ils font en plus de la bio sont des gestes qui amènent quelque chose parce que ça prend du temps et de l'énergie. Et puis au fait, ça fait des passages dans la parcelle, ça tasse les sols. Donc il faut vraiment faire un inventaire de ce qui est vital. Alors désolé de cette sortie qui peut-être va désoler et répugner à beaucoup d'entre vous qui ont de l'affection pour la biodynamie. Moi, j'aime bien les gens qui la font, la biodynamie. Et d'ailleurs, sur la table ce soir, le vin, il est issu de biodynamie. Parce que c'est des gens qui travaillent bien. C'est des gens qui se posent des questions. Mais je ne suis pas sûr que la réponse biodynamie soit complètement la meilleure réponse. Super, merci. Tu avais prévenu hein, que tu disais les choses qui ne font pas forcément plaisir. Chouette, merci en tout cas. Alors, il est 22h33, il y a encore Rémi qui a la main levée. Allez, on en prend la question de Rémi, puis on va bouffer. Enfin, je ne sais pas si vous avez mangé, vous, mais moi, je n'ai pas mangé. Ouais, moi non plus. Allez, Rémi, tu as le droit à un deuxième merci, tour, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Merci en beaucoup. Plus, il est déjà tombé dedans quand il était petit, c'est ça? Il a déjà posé une question. Ouais, mais alors du coup, moi j'adore remettre en question et du coup supprimer des choses un peu inutiles. Tout à l'heure, tu parlais les EM, ramener des bactéries qui viennent d'ailleurs, ça c'est pas logique. Et alors, le ferment forestier, alors je sais plus comment ils appellent ça, mais imaginons, on veut créer un jardin forêt sur une ancienne prairie, et pour faire évoluer le sol, parce que forcément les populations champignons, bactéries dans le sol de la prairie ne sont pas les mêmes que dans la forêt qui serait juste à côté, est-ce que aller chercher de la litière forestière, la ramener à peut-être à 200-300 mètres et l'installer là, est-ce que ça fait évoluer quelque chose, ou là aussi c'est se fatiguer pour pas grand-chose. Non, mais moi, je pense... Alors, les terres forestières, hein, c'est de la matière assez récalcitrante. Hein, il y a des tannins, des terpènes dedans. Il y a un rapport C sur N qui est un peu pourri. Donc, c'est de la matière qui va peut-être avoir des effets intéressants en termes d'ajout de matière organique stable et durable. Mais Rémi, pour avoir eu droit à poser deux questions, tu vas avoir un gage, tu vas être obligé d'acheter mon livre. Lequel je le fais tous, je crois déjà. Quand tu auras bien vu ce que c'est l'origine du monde. Ah oui, 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 je l'ai. Bon, le truc, c'est que si tu veux, dans la forêt, la litière, c'est toute la fertilité. Je te fais confiance. Hein. Ouais, je l'ai pas loin normalement. Et ben, il y a Nat du 06 qui est en train de dire la réponse là. Le problème d'enlever la litière, c'est que c'est
là, on déshabille Pierre qui n'est pas très habillé pour habiller Paul qui est quand même déjà un peu plus habillé. Voilà, le problème, c'est l'origine de cette litière. Alors, si tu as un parc, bah, si tu as 5 hectares de parc devant ta maison, ça arrive, hein, il y a des gens qui ont ça, avec des arbres dont les feuilles tombent et que tu as des jardiniers qui ramassent les feuilles, ces feuilles-là, évidemment, tu peux en faire de la litière fermentée parce que bon, ce que tu veux, c'est avoir une pelouse en dessous. Bon. Mais en forêt, il ne faut pas retirer la litière. Et du coup, moi, j'ai peur que... Mais souvent, ce qui se dit, ce n'est pas forcément en prendre beaucoup, c'est plus une idée de, comme un ferment, juste en mettre un petit peu pour ensemencer et que ça va nourrir avec des bactéries, des champignons qui seront différents. Mais tu vois, il ne faudrait pas que trop de monde fasse ça. Et puis après, on retombe au ferment en tant qu'inoculum. Alors, peut-être que ça marche par des molécules que ça amène, des effets perturbateurs sur le microbiote résident, mais sur l'effet d'inoculation, par contre, ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai moi l'impression... Mais c'est une impression, hein, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Je vais bientôt d'ailleurs en avoir parce qu'on on va faire ça sur de la biodynamie au moins. On regarde les persistances, les microbes introduits, mais dans le vignoble. Mais moi, j'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a peu de chances que tu introduises des choses. Mmh. Oui, c'est encore se fatiguer pour pas grand-chose au final parce que ça finira par arriver petit à petit. Ah ouais. Alors, après, ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer sur ces gestes alternatifs au labo et au travail du sol, quelque travail du sol que ce soit, sauf la grelinette, et se concentrer sur ces couverts permanents. Ça, c'est vraiment des outils extrêmement puissants. OK. Merci beaucoup. Ah, il y a des gens qui étaient à l'ENIA cet été. Très bien. Bon, ben... Ouais, bah, merci Rémi pour ta question. Désolé, il y a Mathieu, je crois qu'on pourrait encore, je crois qu'il y a une partie, il y a même quelqu'un qui l'a dit dans le chat, je crois qu'il y a des personnes qui seraient vraiment d'accord de passer la nuit avec toi, Marc-André. Donc, c'est, en tout cas, c'était super. Il y a déjà quelqu'un dans mon lit. Et en plus, je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez caca et que vous fassiez des bisous verts à la terre, donc vous avez à vous occuper dans vos jardins respectifs. Exactement. Non, mais écoute, on va être obligé de te réinviter, je ne sais pas quand, dans quelques mois, pour avoir la suite, parce que là, tu nous as tellement mis la bouche avec ces histoires, ces 5 histoires que tu nous as racontées, que voilà, ça donne envie de plus, évidemment. Et donc, on a les références, on a tes livres, on a les références que tu nous as données sur tout le travail que tu fais. Oui. Et puis, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à trouver ma page. Hein, voilà, on vient sur ta page, on vient faire un raid sur ta page Facebook. Tu vas te retrouver avec 300 abonnés en plus sur ta page. Allez, je vous le mets l'adresse. Super. Merci infiniment en tout cas. C'était très très chouette. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir. Aussi pour votre patience, pour votre enthousiasme, pour votre humour. Voilà, on a passé, moi en tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous. Le festival du Jardin Forêt, c'est pas terminé puisqu'on reprend demain à 10h30. On sera avec Claire Moquier de la Forêt Gourmande, créatrice du Food Forest Lab, qui va venir nous parler de cuisine. De cuisine boisée, de cuisine venue des bois. Voilà, je crois qu'on a encore plein de choses à apprendre pour essayer d'apprivoiser différemment encore l'arbre ou de se reconnecter à l'arbre aussi par l'assiette. Donc voilà, ça va être passionnant. On se donne rendez-vous, on va suivre tout le travail que tu fais, Marc-André, continuer. Je crois qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui te suivent déjà depuis quelques années de façon très assidue. Donc, merci de ça. Et n'hésite pas à nous envoyer, à m'envoyer pour que je l'annonce le lien quand ce sera en ligne pour qu'on sache où c'est. Génial, super, très bien, avec plaisir. Tchuss. Allez, bonne soirée, bon appétit et bon vin en biodynamie. Au revoir. Ciao, ciao.